Madame Colette Lafleur d'Asbestos est méritée un séjour pour deux personnes à Los Angeles pour assister à l'avant-première du film Iron Man. Ça inclut l'hébergement, le transport, le billet pour l'avant-première du film et 500$ en poche à l'ordre de toute l'équipe. Félicitations. Maintenant, on le sait depuis plus d'une semaine, Nathalie Simard prend sa retraite du monde du showbiz, mais non sans faire un dernier adieu à son public qui l'a appuyé durant toutes ces années. Et Virginie a assisté à la dernière de Nathalie, c'était vendredi, et elle a pu tâter le pouls de son public. Il y a deux semaines, on apprenait avec grande surprise que Nathalie prenait la décision de quitter définitivement la vie publique, et ce, avant même d'avoir effectué la moitié des concerts de sa tournée. Ce soir, ses fans assez émotifs ont pu assister au dernier spectacle de Nathalie au Théâtre Saint-Denis. Merci, moi aussi je vous aime. C'est vrai que c'est le dernier, mais ça n'empêchera jamais que l'amour se poursuive pour toujours entre nous. Moi aussi je vous aime énormément. Bonsoir, comment vous avez trouvé le spectacle ce soir? Oui. Rien à redire, c'était... Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que Nathalie quitte la vie publique? C'est quoi? C'est la peine. Ça fait 20 ans que j'attendais ça, c'est mon idole. C'est ça va toujours rester mon idole. Elle ne sera jamais remplacée. Jamais je l'oublierai. Mais c'est triste qu'elle nous quitte comme ça. Elle déborde de talent. C'est la mise en scène de Joël excellent. Êtes-vous surpris d'apprendre qu'elle quittait? C'était son dernier spectacle ce soir? C'est un peu surpris. Moi, je l'aimais beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour la suite à Nathalie? Beaucoup de succès dans sa vie. Personnel. Oui, personnel. Oui, ça vous fait-tu de la peine de savoir la peine, que nous fait de la peine, ça nous fait de la peine, c'est pas du verbe. Oui. Je mets à cœur, on respecte qu'on soit. C'est la meilleure. Elle se sent bien quand ça, c'est la meilleure. Oui. C'est mon meilleur spectacle que j'ai jamais vu. C'est Oui. Vous êtes là pour la dernière? Oui, oui. Je suis très contente pour vous, mais c'est la meilleure. C'est jamais un spectacle comme celui-là. Jamais. Nathalie, hein, c'est une boule d'amour, hein, qu'elle propage ça autour d'elle. Puis ce soir, là, c'était vraiment extraordinaire. Hein. Même, je ne savais pas qu'elle avait autant d'énergie, là, la deuxième partie du spectacle. Là, c'est vraiment, tout le monde était debout. Il y avait des gens de tous les sièges, on était toujours debout. Charisme, charisme. C'est tellement vrai. Personne n'est vrai. Avez-vous des vœux à lui faire à Nathalie? Oui, c'est ça. Le meilleur en tout et partout, en premier lieu. Et ensuite, cette belle continuité-là, je sais qu'elle va faire quelque chose avec ses talents. Non, elle ne peut pas. Merci beaucoup. Merci Virginie. Ben, Francis Cabrel est à Montréal, oui, pour nous présenter lui aussi son nouvel album intitulé « Des roses et des orties ». Patrick Martin. Depuis 3 ou 4 jours. Ils ont parlé d'une consigne, d'un 5 cents, d'un 10 cents. Ça se fait déjà, mais ça n'a pas l'air de fonctionner plus qu'il faut. Je ne crois pas, parce qu'à l'épicerie, on a une petite déduction, je ne sais pas de quel montant, quand on a nos sacs, et je suis à peu près sur une rangée de 10 personnes en attente, on est deux à peu près à avoir nos sacs recyclables. C'est du monde, là. Là, on s'énerve depuis 3 ou 4 jours sur la fameuse bouteille en plastique rigide. Oui, qui contiendrait du bisphénol A. Oui. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça fait rire? Eh oui, ça fait... La bouteille de plastique, en général, c'est du plastique. Le plastique est fabriqué avec quoi? Du pétrole. Du pétrole avec d'autres produits chimiques. Puis
Puis on achète, on a des tonnes. On achète des bouteilles d'eau. Il y en a qui sont molles, on va dire, il n'y en a pas de bisphénol. Dans 5 ans d'ici ou dans 10 ans, on va découvrir que c'est un autre produit à l'intérieur de ça qui a entraîné tel cancer. Parce que le bisphénol n'est que dans les bouteilles dures. Oui, hein, des bouteilles rigides. On parle des bouteilles, des biberons pour les enfants, des bouteilles que les jeunes s'achètent pour faire du sport et qui sont rigides et utilisables. Pourquoi tu penses qu'ils nous disent de ne plus... de ne pas réutiliser la bouteille d'eau. Elle n'a plus participé, c'est elle qui l'a annoncé l'année dernière. Elle l'a d'ailleurs dit à l'émission de Guy Lepage que ça faisait 3 ans qu'elle songeait à quitter, puis on ne peut pas la blâmer. Jouer le même personnage pendant autant d'années, à un moment donné, ça tente de faire autre chose. Tu peux facilement en faire le tour au bout de quelques années, mais écoutez, elle l'a fait quand même pendant 12 ans. Alors, bon, il y avait une volonté de la part de Chantal, mais je pense qu'elle est un peu déçue de cette fin-là, en tout cas de ce qu'elle a dit hier. Alors, on n'attaque pas Fabienne Larouche sans réaction. Vous lui avez parlé ce matin sur vos ondes. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? D'abord, elle ne l'avait pas entendue, elle n'avait pas vu l'entrevue de Chantal Fontaine. J'ai passé les extraits parce que j'en ai choisi quelques-uns, disons les plus percutants de cette entrevue de Chantal. Et, bon, elle répondait point par point à cette entrevue-là. Elle réfute tout ce que dit Chantal. Au contraire, elle dit que, bon, elle-même ne savait pas que c'était la dernière scène de Chantal Fontaine, ce que je comprends un peu mal, puisque c'est elle l'auteur, mais elle dit qu'elle écrit tellement de téléromans ou d'épisodes qu'à un moment donné, elle en a perdu le fil. Pour ce qui est de la fête, semble-t-il que Chantal Fontaine était invitée à cette fête, mais qu'elle aurait préféré, d'après ce que le disait Fabienne, aller de son côté faire une fête. Mais il y a des versions divergentes. Et ce que moi, en tout cas, ce que je peux voir, c'est écoutez, c'est une finale canadien blonde, ça, Chantal Fontaine et Fabienne Larouche en ce moment. Qui va avoir le dernier mot? Je pense que, bon, dans la balance, c'est sûr que Fabienne pèse plus lourd. D'ailleurs, Radio-Canada, écoutez, présente ses excuses à Fabienne. Mais ça vous donne aussi en même temps l'espèce de liberté d'expression que peut avoir Guillaume dans le cadre de son émission. Mais ça crée un précédent. On a rarement vu ça, ce genre de... d'épanchement. Et d'ailleurs, nous, on était prêts à assumer une liberté d'expression. On le fait régulièrement aussi, même si à Radio-Canada, on en parle. On bien a sûr, dit à Fabienne, les dons défendent notre point. Puis finalement, on a dit, c'est peut-être pas le bon. Alors, la liberté d'expression, ça marche à tout le monde. Il y a des limites part, quand même. Moins, il y a des limites. Pour moi. Alors, donc, mais qu'est-ce qu'elle répond à cette histoire de parté-là? Parce que c'est vrai, je me mets dans la peau de Chantal Fontaine. Ça fait 12 ans que tu fais ça. Si tu n'es pas invité au party de fin d'année, il y a de quoi râler un peu, non? C'est-à-dire que oui, absolument. Ça n'arrive jamais, je veux dire, un rap party, surtout pour une comédienne qui était là toutes ces années-là. Elle se devait d'être là, mais semble-t-il, ce qu'elle disait à la télévision, c'est qu'elle a préféré faire son party de son bar puisqu'elle n'était pas vraiment invitée. Et de l'autre côté, au contraire, Fabienne dit non, on l'attendait. Il y avait 110 personnes qui étaient sur place qui attendaient Chantal, alors qui dit vrai, on ne le sait pas en ce moment. Alors, donc, est-ce que c'est une chicane ou si c'est une déception, je dirais, liée au fait qu'elle n'a peut-être pas accepté encore le départ? C'est un gros rôle, c'est l'essentiel. Vous savez, on la connaît, Rose de Virginie, on ne la connaissait pas encore. Ouais. Est-ce que c'est une réaction a posteriori ou quoi? Qu'est-ce qui arrive avec une rupture? Une rupture, d'abord, il y a de la peine, ensuite, il y a de la colère. Et je pense qu'on a passé rapidement dans ce stade-là. Aujourd'hui, c'était la colère, là, celle peut-être de Chantal hier soir, puis de Fabienne qui répondait à ça. Mais c'est évident, quand tout ça, il y a énormément de tristesse. Je ne sais pas qui va avoir le dernier mot là-dedans. Moi, je peux te dire, en tout cas, que sur mes tribunes téléphoniques, les gens, en majorité, prenaient pour Chantal Fontaine. Mm-hmm. C'est elle qu'on a vue pendant toutes ces années-là. Fabienne a l'air de la méchante là-dedans. Mais en ce moment, on ne sait pas qui dit vrai. Au bout du compte, on croit Fabienne, on croit Chantal. Mais la vérité, est-ce qu'on la saura? Mais tout le monde s'accuse de manquer de loyauté, finalement. Oui. C'est un peu ça qu'on comprend. C'est ça. Est-ce que Virginie, ça a été, on dit que c'est son seul rôle, là, et je disais en intro que ça a fait d'elle la comédienne la plus visible depuis 12 ans. Est-ce que, parce que j'ai entendu Fabienne faire allusion au fait que c'était probablement le rôle le plus payant aussi. Oui, mais c'est aussi, je veux dire, s'engager sur une aussi longue période, ça prend c'est tout un engagement, je veux dire, ça se monnaie, c'est aussi une exclusivité d'une comédienne dans un téléroman. Je pense que ça aussi, il ne faut pas l'oublier non plus. Chantal Fontaine était... a rien fait d'autre, à part quelques réclames publicitaires à droite et à gauche, mais sinon, on ne l'a jamais vu dans d'autres choses. Plutôt Chantal Fontaine, était bel et bien Virginie, un point c'est tout. Donc, c'est un peu normal qu'elle ait ce cachet-là. Puis ça se monnaie au fur et à mesure. Il y a eu quand même des codes d'écoute qui pouvaient commander ce genre de salaire-là, mais on ne parle pas de salaire mirobolant aux États-Unis, là, ça n'a rien à voir. Un million d'épisodes. Non, ça n'a rien à voir. Mais elle a gagné quand même très bien sa vie. On n'a pas de problème à la fin des mois. OK. N'empêche que Fabienne Larouche avait obtempéré à la demande de Chantal Fontaine. C'est elle qui voulait quitter. Cette année, on peut comprendre que 12 ans jouer le même rôle, c'est un petit peu répétitif. Oui. Et elle lui a aménagé quand même des portes de sortie.
elle pouvait revenir. Normalement, Dallas, on a fait mourir JR. Oui. Ils ont trouvé le truc l'année d'après, elle a fait ressusciter, là, mais... C'est vrai. C'est-à-dire que non, elle ne faisait pas mourir le personnage de Virginie. Elle laissait une porte ouverte, parce qu'elle est quand même là jusqu'en 2012. C'est signé en ce moment avec Radio-Canada. On ne sait jamais. Je veux dire, bon, comme Jean l'Italien qui était parti puis qui est revenu, il y en a d'autres aussi de ces comédiens-là pendant la série Virginie qui ont pu revenir. Il y en a qu'on a fait mourir. On le sait que Fabienne a fait mourir du monde. Était-ce des règlements de compte avec ces comédiens-là en leur disant, écoutez, peut-être que j'ai plus rien à écrire sur vous, ou peut-être que, bon, on ne sait pas quelles étaient les relations de ces comédiens-là et Fabienne. Mais c'est vrai que les portes étaient toutes ouvertes. Pour ce qui est de Chantal Fontaine, elle ne les a pas vraiment fermées hier en disant, écoutez, c'est sûr que si elle me pose la question demain matin, si je reviens à Virginie, la réponse c'est non. Mais, elle est brillante quand même de ne pas avoir fermé complètement la porte. Et en ce moment, c'est pas l'harmonie entre Chantal Fontaine et Fabienne Larouche. Ils s'enverront pas de cartes à Noël, ça je peux t'assurer de ça. Et dans le milieu, on dit que Fabienne Larouche emmène large, okay, et que c'est quelqu'un, oui, qui a du caractère, oui, qui vrai, se fâche, qui peut avoir oui, la mémoire longue aussi un peu dans le film, peut-être. Écoutez, moi, on a une journée de différence, Fabienne et moi. On est du même signe astrologique, même si j'y crois pas, mais je pense qu'on a quand même des caractères qui se ressemblent. C'est vrai qu'elle peut avoir une mémoire très longue, comme moi aussi je peux l'avoir à l'occasion. Alors, ça peut... le temps arrange tout, mais tu sais, c'est quoi l'unité de temps qui va arranger ça? Je ne sais pas en ce moment. OK, mais vous pensez que ça va s'arranger? Éventuellement. OK. Là, on est dans le bouillon, là. Vous avez souligné Radio-Canada qui a réagi en présentant des excuses à Fabienne Larouche. C'est un peu curieux parce que c'est pas Radio-Canada qui a dit ça. Non, c'est vrai, mais c'est dans le cadre d'une émission qui a été diffusée à Radio-Canada. Parce que c'est enregistré, je suppose. Quand on est en direct... Oui. Si vous commencez à dire des choses qui n'ont pas de bon sens, moi, je ne peux, oui, pas couper, vous êtes en direct. Oui, mais il y a quand même des bons, monter, il y a des affaires, moi. Mais c'est vrai qu'en, okay, étant préenregistré... OK, OK. Ben, écoute, donc, ça nous éclaire un petit peu sur ce crêpage de chignon public. Entre pas n'importe qui, la plus importante productrice, oui, du Québec et auteur, et la celle qu'on a vue le plus au cours des dernières années. Merci beaucoup, Éric. Merci, Denis. Maintenant, on va voir ce que ça implique comme réaction avec Michel Girouard. Salut, Michel. Salut, Denis. Moi, je suis un petit peu déçu de Chantal Fontaine. Écoute, quand quelqu'un te fait vivre pendant 12 ans, comprends-tu, il fait de toi une méga star. On sait d'ailleurs que Fabienne Larouche a lancé justement cette fille-là, Chantal Fontaine, dans Urgence. Elle n'avait pas un grand rôle dans ça, parce qu'elle l'a pris pour faire Virginie. Elle était là pendant 12 ans, parce que 5 soirs par semaine, ça a été la méga star pendant ce temps-là. Bon, alors quand tu es sur scène, quand tu es avec quelqu'un pendant 12 ans, toute une famille, et on le dit, tous les gens qui jouent dans Virginie, Jessie Lauzon, on le rencontre, moi, il dit, c'est comme une famille, Virginie. On sait qu'il y a des studios qui sont installés en bas Radio-Canada. Mais dans une famille, il y a toujours des froid à un moment donné, il y a comme des choses qui marchent plus ou moins bien. Alors là, hier soir, évidemment, les gens ont été un peu surpris. Mais moi-même, ça me choque un petit peu. Je connais Fabienne Larouche, c'est une fille qui est positive. C'est pas une fille qui a deux faces. Et les gens aiment beaucoup Chantal Fontaine. Est-ce que les gens aiment Chantal Fontaine ou s'ils aiment Virginie? Ils aiment le personnage, évidemment, de Virginie, parce que Chantal Fontaine, c'est quoi? C'est Virginie au départ. On connaît plus Virginie qu'on connaît Chantal Fontaine. Mais là, je pense que ce qui est arrivé chez Chantal Fontaine, je pense qu'elle est un petit peu paniquée au cours des dernières années. Pourquoi elle voulait tant quitter? Elle a parlé de quitter, justement, Virginie. Elle a eu peur d'être typecastée. Typecastée, c'est-à-dire que c'était Chantal Fontaine, c'est Virginie. Comme Bobineau. Quand on était jeune, ouais, Bobineau, c'était Bobineau. Oui, mais on sait qu'il y a eu Donalda, André Champagne. Séraphin. Oui, bien, Séraphin. On sait que le père Gédéon, justement. Et aux États-Unis, Michael Landon, La petite maison dans la prairie. Quand tu es marqué. Michel Gervais, vous n'avez jamais eu d'autre rôle que celui de Michel Gervais. Oui, mais c'était déjà un rôle. Ben le rôle est encore important, mais c'est pas ça. Non, mais c'est quand même difficile de se sortir de ce personnage-là pendant 12 ans. Mais je trouve que de s'en aller sur la place publique comme ça, une fille qui a été gâtée. Écoute, quand on regarde le bottin de l'Union des artistes et qu'on sait à quel point le pourcentage est élevé des gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté, je pense que quand tu es gâté à ce point-là, tu t'en vas pas sur la place publique, si je veux dire, assommer ou laisser sous-entendre quelque chose qui marche pas entre l'auteur qui a fait de toi une star et tout ça. Je pense que fait ça dans le privé. Et moi, est-ce qu'elle n'a pas été invitée à ce party-là? Je ne crois pas ça. Elle a été invitée à ce party-là, elle a décidé de ne pas y aller. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il y a eu une petite dispute? Ça peut arriver dans toutes ces années-là. 12 ans, c'est comme on le disait tantôt, c'est presque une histoire de famille tout ça. Mais je pense que les gens ils vont faire le pour et le contre de cette histoire-là. Ça sera vraiment pas facile pour elle. N'empêche, quand on prend de grosses décisions comme ça, souvent, c'est au moment où on en subit l'après-coup. Là, c'est quand on subit des conséquences qu'on trouve ça plus dur que ce qu'on avait pensé. Alors peut-être que Chantal Fontaine dit « Hey, j'ai abandonné tout Mais ça fait des années qu'on voyait dans les... Non, on trouve ça plus difficile. On voyait dans les manchettes des pages télé « Chantal Fontaine, dernière année. Chantal Fontaine, dernière année. » Pourquoi? Parce que les gens lui disaient « Comprends-tu, si tu ne sors pas de ce personnage-là, tu pourras faire autre chose après. » Donc, elle est peut-être devenue... Peut-être qu'elle n'a pas eu d'offres... Tu sais, ça fait déjà un moment qu'on parle de ça. Peut-être qu'elle n'a pas eu des offres extraordinaires depuis ce temps-là, puis qu'elle est quand même un peu nerveuse face à cette situation, face à une carrière. Parce que encore une jeune femme, Chantal Fontaine, peut-être qu'elle aimerait faire autre chose. Mais quand tu joues un personnage pendant 12 ans,
Je veux dire, c'est quand même quelque chose. Est-ce qu'elle en aura d'autres? Je pense à Elvis, Mario Fontaine, hein, qui ben disait, oui, ben, moi, je suis tanné de chanter juste Elvis. Il a quitté, produit son spectacle. Il est revenu à Elvis. Mais il est revenu à Elvis. Ce qui arrive avec ça, c'est que surtout la télévision, les gens tombent en amour avec des personnages. On sait, on parlait tantôt d'André Champagne. Écoute, elle a été Miss Télévision. Je me souviens, quand j'étais petit, on écoutait ça, cette affaire-là. André Champagne, Miss Télévision. Après ça, elle a essayé de faire autre chose? Absolument pas. Jean Coutu, un excellent acteur, Jean Coutu, il a fait Le Survenant. Bon, il a fait des rôles après ça qui est important. Mais quand on voyait Jean Coutu, on voyait Le Survenant. C'est lui qu'on voyait à l'écran. Alors là, quand on voit Chantal Fontaine, on parle évidemment de Virginie. Je pense qu'il y a même des gens sur la rue qui ne savent peut-être même pas que Virginie s'appelle Chantal Fontaine. Tout le monde connaît Virginie, évidemment. Mais Chantal Fontaine, non. Mais Fabienne Larouche, moi, je la connais personnellement. C'est une femme qui est positive, c'est une femme qui est vraie. Quand tu la rencontres, et ça me surprendrait beaucoup qu'elle ait pris justement la fille qui était la star de sa série puis qu'il y a eu une espèce d'intrigue avec ça. Chantal Fontaine a peut-être décidé elle-même de ne pas aller au party. Et là, évidemment, Radio-Canada qui s'excuse en plus aujourd'hui face à Fabienne Larouche, ce qui est normal. Fabienne Larouche leur a donné à la Société d'État une émission, je disais, qui attire des codes d'écoute records depuis 12 ans. On sait que c'est jusqu'en 2012, c'est là, c'est une première, ça ne s'est jamais arrivé, un téléroman qui a été aussi longtemps que ça en nombre. Alors là, évidemment, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va inviter Chantal Fontaine et puis Fabienne Larouche à un party, justement? Est-ce qu'il va y avoir une réconciliation extraordinaire? Ça va être à surveiller cette histoire-là. En tout cas, vu de l'extérieur, c'est sûr que Fabienne Larouche, c'est difficile de penser qu'elle puisse avoir voulu faire mal paraître Virginie, parce qu'elle a préparé une fin qui lui ouvre toutes les portes. Oui, mais on sait, il y a quelques années, on a beaucoup parlé de l'Italien. On sait que l'Italien, les femmes, t'as toujours un amour avec son personnage. Tout le monde le regardait. Il est parti durant quelques saisons et il est revenu, puis il s'est très bien installé à nouveau dans son personnage. Là, Chantal Fontaine, elle aurait pu partir. Par exemple, on voyait les manchettes. Elle revient. Peut-être qu'elle reviendra un jour. Peut-être que la paix va revenir entre Fabienne et Chantal et qu'on va revoir, justement, Chantal revenir dans Virginie. À ce moment-là, ça va être toutes les premières pages partout. La paix est revenue entre Chantal, justement, et Fabienne. Donc, les paris sont ouverts, comme les paris tantôt, sont ouverts. Eric, il s'agit de savoir le laps de temps. Le temps que ça va prendre avant qu'il y ait réconciliation. Merci beaucoup. Ça va être à surveiller, Denis. Salut. Au revoir. Maintenant, restez là. Des profs ont peur de ce qui se passe dans les écoles. Ça brasserait pas mal dans certains cas. On en parle après la pause. Herbal Essence vous présente une autre grande évasion. Oh, le parfum d'une île exotique recouverte de ravissantes framboises rouges et de satin doux. Le traitement VIP pour cheveux longs et la douceur qui s'étire longuement. Et toi, emmène-moi. Attendez qu'il touche à ça. Mon héros? Non, pas vraiment. Les shampoings et revitalisants pour cheveux longs d'Herbal Essence. Les résultats de l'évasion peuvent varier, mais les cheveux éblouissants sont garantis. Monsieur Net laisse maintenant sur son passage une bouffée. Jacques Broda, qui est dans nos studios de Sherbrooke. Des gens qui connaissent bien le tabac dans le domaine de l'enseignement. Je commençais avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de ça, les professeurs qui se font... Parle depuis déjà très longtemps dans mes chroniques. Effectivement, la violence à l'école débute dès la maternelle, l'intimidation. Il y a un travail à faire au niveau des parents. Il y a aussi des outils à offrir aux enseignants. Et de plus en plus, on en voit, M. Brodeur va pouvoir vous le confirmer aussi, même si vous confirmez avec les commissions scolaires combien de mises en demeure ils vont recevoir par année, par semaine, parce qu'un parent n'est pas content de telle note. Alors, on parle de violence. Des mises en demeure. Oui, par des avocats en bonne et due forme. Ton enfant n'a pas une bonne note, par une mise en demeure d'avocat. Vous avez fait telle affaire, je considère que mon enfant n'a pas eu les ressources nécessaires pour faire telle affaire. On a le droit de ne pas être d'accord avec quelque chose à l'école. Mais à un moment donné, c'est l'exemple. Écoutez, j'ai déjà vu un père, moi, traiter un professeur de mal baiser devant son jeune de maternelle, de faire des signes avec les mains. Naturellement, l'exemple est là, en voiture, partout, ça part de là. Alors, M. Broder, manque de savoir-vivre ou le fait qu'on se sente soi-même incompétent quand on est parent et que notre petit gars ou notre petite fille a de la misère? Je pense que les parents qui ont des enfants aujourd'hui ne sont pas les parents qui avaient des enfants il y a 15 ans, ne sont pas les parents qui avaient des enfants il y a 30 ans. Il y a quelque chose qui a bougé très vite au cours de ces 25 années-là. C'est quelque chose qui a dérangé beaucoup les enfants. L'inquiétude de la séparation entre les papas et les mamans, les disputes entre les papas et les mamans, les parents qui sont gênés d'exercer de l'encadrement, parce que quand on exerce l'encadrement avec notre enfant, bien, les premières fois, ils risquent de nous faire une petite crise, des parents qui, fragiles,
bon, disent non, 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 trois, quatre fois, et à la sixième, septième fois, ben ils changent d'idée et disent oui à l'enfant. Mm-hmm. Ça, c'est des résultats obtenus par le traitement qui a été fait à des enfants entre leur naissance et cinq ans avant d'entrer à l'école. L'année où, Mme Chantal avait raison, l'année où il y a le plus de violence dans nos écoles, c'est maternelle première année. Et la violence que les enseignantes de maternelle et de première année subissent ces années-ci, c'est rien à comparer à ce qui se vivait il y a 10 ans et ce qui se vivait il y a 20 ans. Il y a donc une détérioration. Votre titre tantôt, c'était « Il y a des enseignants qui ont peur ». Denis, il y a des enseignants qui ont de la peine de voir l'état dans lequel les enfants sont, dans l'état dans lequel ils vivent émotionnellement, et ces enseignants-là ont besoin d'aide. Ils attendaient l'aide de la ministre depuis au moins 20 ans. On est content, le plan qui est arrivé aujourd'hui, on ne perdra pas notre temps à discuter pour dire comment, pourquoi ça n'a pas été fait avant. Non, ça arrive, bravo, et arrangeons-nous pour que les écoles et les enfants en bénéficient. Mais M. Bollard, ils ont plus que de la peine, ils ont peur. J'entendais aujourd'hui un enseignant dire, écoutez, moi j'ai eu une plaque à la gueule d'un jeune de 13 ans. Un autre qui s'est fait créer des noms. Là, vous me dites que même à la maternelle, les professeurs disent on a peur. Il y a un directeur d'école ce matin qui racontait à Paul Arcand qu'il a été pris en otage, séquestré. Le gars rentre dans la classe, la femme vérifie à la porte qu'il n'y a personne qui rentre et dit tu ne sortiras pas d'ici tant que tu n'auras pas réglé la note de mon enfant. Quelque chose qui ne marche pas. Là, c'est les parents. C'est ça. Exactement. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Moi, j'étais juste sur la peur. Ben oui, il y en a de la peur, il y a de l'inquiétude. Quand on voit des parents fâchés, quand on voit des adolescents agressifs, il y a de la peur. Mais le sentiment dominant dans les écoles, en ce moment, ce n'est pas la peur. Non. C'est le désir d'avoir des moyens pour être capable d'accompagner ces enfants-là, puis de les aider, puis de survenir, c'est ça, d'avoir des moyens. Puis d'insuffler chez ces adolescents-là et chez ces enfants-là un sentiment d'habileté sociale, de comportement social qui est plus en harmonie avec l'apprentissage qu'ils viennent faire à l'école. Okay. Alors, comment on le fait, Mme Bottevin, si on se fie à la réalité décrite par M. Bodard, ça veut dire que le parent encore pas trop fort, puis il y a eu séparation, puis il chicane tout le temps, je ne sais pas quoi. Comment on fait, le professeur? Ils ont beau mettre des millions sur la table, c'est une réalité sociologique. Comment vous allez faire comme professeur pour passer au travers de ça? Bien, il va falloir mettre des balises, il va falloir qu'on soit appuyé au niveau de la direction, au niveau des parents dans les conséquences. La communication, la prévention, informer les parents de dire, écoutez, là, vos jeunes, on est là pour... Souvent, on nous relie justement au niveau de l'éducation, les enseignants, hein, on le sait, on les a toute la journée, etc. Alors, il va falloir que les parents, comment je pourrais dire, nous redonnent un petit peu notre blason en tant qu'éducateurs et travaillent avec nous main dans la main et pas nous dire, par exemple, en maternelle, vous avez fait ça à mon enfant, je considère que c'est pas correct. Et surtout, devant l'enfant, invectiver le professeur, le menacer, etc. Parce que quand on était jeune, c'était les frères ou les sœurs qui nous donnaient des cours. Oui. Les parents partaient du principe que les professeurs, ça ne se trompait pas, ça. Et tu avais beau dire n'importe quoi, c'était toi qui étais dans les patates. Alors, c'est tout à fait l'inverse. Il y a comme pas de milieu. Il y a une différence extrême, hein? Naturellement. On parle de ce temps-là. Mais au moins, dans ce temps-là, les parents disent, regarde, oh mon Dieu, monsieur le professeur ou monsieur le directeur, vous avez appelé, mon fils se fait ci. Ah, écoute, je te le prends par le bout de l'oreille, puis il y a telle conséquence. Moi, j'ai vu des parents se mettre à rire quand, justement, on disait, par exemple, aux jeunes, bien, écoutez, monsieur Tel, là, votre fils aujourd'hui a apporté son iPod ou a apporté son Game Boy, ce n'est pas permis à l'école. Alors, c'est pas quelque chose de grave, mais le père, on le voit avec un petit sourire en coin, presque en riant en plein visage de l'éducatrice, et qui met le Game Boy, qui reçoit son jeune, t'as passé une belle journée aujourd'hui, ça va bien, oui, on s'en va au restaurant. Sans faire aucune intervention, puis passer ça comme dans du beurre d'empoigne en bon québécois. Alors, monsieur Bardin. Oui. Je fais un petit bémol à l'intervention de Chantal, qui est très enflammée. Je partage presque tout ce qu'elle a dit. Mais attention, les parents qui arrivent fâchés à l'école, ils ont besoin d'aide. Ben oui, vous avez raison. Ce ne sont pas des gens qui ont comploté à la maison en se faisant des téléphones et qui viennent lyncher un professeur ou un directeur d'école. Ils sont inquiets. Il y a donc besoin, de la part de la ministre, d'insérer dans son plan d'action la valorisation du rôle d'encadrement que les parents ont exercé. La deuxième, de bien faire comprendre à la population que l'école n'est pas là pour élever les enfants à notre place. L'école est là pour aider nos enfants à grandir, à développer de l'autonomie, à exprimer des émotions et des opinions avec du langage
compréhensible, socialement acceptable, à développer de l'empathie, la capacité de se rendre compte quand je fais mal à quelqu'un d'autre avec mes paroles ou avec mes gestes, bien, je cause un dommage et je suis responsable de ce dommage-là. Donc, la ministre a un plan d'action. Denis, si vous saviez comment est-ce qu'il y a de monde qui sont contents aujourd'hui, tout ce qui nous inquiète en ce moment, c'est est-ce que le plan d'action va être appliqué pour ce qu'il nous annonce, ce qu'il nous laisse espérer. Il faut que les parents et les enseignants travaillent de concert pour être utiles à ces enfants-là et leur faire développer la responsabilité. Mais les parents de concert, des fois, les parents, ils se sentent négligés là-dedans. On a l'impression que, bon, vous nous prenez pour... on est accessoires là-dedans. Moi, je me suis rendu compte en cours d'année que ma plus jeune avait des cours d'anglais, puis ils ont décidé, je ne sais pas qui a décidé ça quelque part au ministère, qui fusionnait ça. Maintenant, les avancées sont avec les intermédiaires, puis ceux qui sont des très débutants. Ma petite-fille était débutante, puis qui compare avec les avancées, ils disent, ils vont apprendre mieux, ils vont apprendre mieux. Oui. Là, on attendait, justement, Big Spender qui fait partie de ce charity. Oui. Il y a des belles chansons. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est, Sweet Charity, c'est basé sur le film de Fellini, Les Nuits de Cabiria. Ça se passait dans un cirque au cinéma avec Anthony Quinn et sa femme, la femme de Fellini, qui s'appelait... Giulietta Massina. Oui, tu as raison, c'est ça, oui. Et Bob Fosse, ce grand chorégraphe et directeur de film, en a fait au départ, avant de faire ce film au théâtre, une adaptation, et il a placé la petite Charity, Sweet Charity, dans une, comme entraîneuse, dans une espèce de ballroom, où les filles travaillent comme danseuses. Les gars viennent, achètent l'étiquette et payent pour danser avec les filles. Ah oui, ce qu'on appelle à Paris les Taxi Girls et aux États-Unis les Ten Cents a Dance. À l'époque, ça fait longtemps. Now it's $100 a dance. Alors, c'est quoi? La petite est là depuis très longtemps, puis elle est très, très naïve. Puis elle s'imagine toujours qu'elle va rencontrer le prince charmant parmi ces gars-là, qui va l'amener sur son cheval blanc, qui va s'en aller. Elle n'est pas bon endroit. Non, elle n'est pas bon endroit. C'est très touchant, c'est très beau. Ouais. Et comme dit Franck, il y a des mélodies magnifiques à chanter. Des belles scènes à jouer. Film aussi, il y a eu le film. Ah, ben oui, avec Shirley MacLaine. Tout à fait. Donc, toutes les tunes, on les connaît, mais ça va être intéressant d'aller voir ça live. Avec une distribution. Puis tu es habitué de prendre aussi, comme Émilie Bégin. Je l'entends. Oui, mais c'est formidable, c'est parce que tu es fidèle à tes. Très. La chance aux jeunes et au talent des jeunes aussi. C'est ça, Émilie, elle peut travailler comme danseuse. Ouais. Chanteuse, on le savait. Alors, j'ai commencé essayer d'en faire une actrice. Et maintenant, elle va divinement bien. Plus ça va, plus les rôles augmentent. Ouais. Et plus ça va, plus le théâtre des Rideaux Verts. Parce que de prendre la direction des Rideaux Verts, c'est... Attention, la direction artistique. Parce que le reste, moi, l'administration, là, je... l'administration, pour administrer quelque chose, il faut qu'il y ait une pièce sur la scène, il faut qu'il y ait des gens dans la salle. Ouais. Alors, donc, la direction artistique est d'une très grande importance. Comment on fait pour amener les gens? C'est pas évident. D'abord, il faut aimer ce métier-là. Il faut se mettre à la place du public, ce que j'ai toujours fait quand j'ai choisi mes pièces en tant que metteur en scène. Moi, je m'ennuie facilement au théâtre ou au cinéma, ou peut-être surtout des fois au théâtre, parce que... il y a des gens qui n'ont des pièces pour s'écouter jouer, non pas divulguer. Okay. À quelle heure le punch? Non, sans tomber dans l'excès, sans tomber dans la grossièreté, non. Tu sais, mais qu'il se passe quelque chose. Je vais avoir des œuvres, j'ai eu à l'affiche Marie Suard, je suis allée chercher un jeune metteur en scène russe qui a fait une mise en scène extraordinaire. Sylvie Drapeau, c'est une de mes actrices préférées, en a fait un rôle. C'était flyé, c'était nouveau, c'était moderne, c'était rock'n'roll, comme on dit. Mm-hmm. Mais il se passait quelque chose. Ils se parlent la preuve en face de l'autre, puis attendent. Comment on explique que ça, c'est une minorité d'hommes qui vont au théâtre? Si on peur de s'ennuyer. Mais ça a changé, parce que maintenant, il y a tellement du bon théâtre à Montréal, et dans tous les théâtres. Tu sais, je veux dire, tout le monde se donne la peine d'essayer d'avoir une bonne programmation avec... Puis les acteurs sont tellement extraordinaires. Ils sont polyvalents de plus en plus. Avant, il n'y avait pas d'acteurs qui sont polyvalents. Ils pouvaient chanter, danser, jouer. C'est Gilda Roy qui était ici tout à l'heure. C'est tout faire. Exactement. Et parlant de savoir tout faire... Par une nouvelle génération aussi. Pour réussir à tout faire, il faut avoir commencé tôt. Il faut avoir été capable de chanter, de jouer, je l'ai dit tout à l'heure. Et quand on parle de chanter, on va revenir en arrière, on va revenir en 1955, un extrait de musical. Denis Filiatro, chanteuse, mesdames et messieurs. Ça ne reviendra pas. Pauvre petite fille. Non, c'est bon. Regarde.
à l'époque. Écoute donc, toi. Mais la référence, c'est la France. Mais c'était la France, c'était évidemment. Des amants. On s'acclamait de son chanteur, on voulait parler français. Il fallait parler bien, Mais ça t'a amené à... Ça m'a amené à Béton. Mais ça t'a amené au plouf. Je pense que ça t'a amené à la Grange Jaune. Non, pas les ploufs, la Grange Jaune. Ouais. Ça t'a amené à ça. C'est le même réalisateur qui t'a vu là, en tout cas, c'est ce qu'on a lu. Par contre, ce qui est vrai, c'est que toi, tu es entré au Rideau Vert en 57. Oui, ça fait en 57. Oh, oui, j'étais au Bucquéry. On faisait de la revue et avec puis... Paul Berval. Avec Paul Berval, Drouin, Deray, Jacques Lorrain, Joubert. Et Dominique, étais-tu là, Dominique? T'as pas arrivé encore, je pense. En tout cas, et Yvette Brandamont m'avait demandé de jouer le petit rôle au Rideau Vert dans le complexe de Finémont, qui était du théâtre de boulevard, qu'on appelle aujourd'hui du théâtre d'été. Et moi, je voulais bien faire du théâtre, mais comme je jouais au Bucquéry, je pouvais pas... En tout cas, ma scène arrivait à la fin, au théâtre du Rideau Vert, qui était un théâtre de poche à l'époque. C'était un théâtre de 100 places seulement. Qui est au deuxième étage du restaurant L'Anjou sur la rue Drummond. Alors, je jouais au Bucquéry, mes scènes finies, je partais, j'allais dans un taxi, je me changeais, j'arrivais sur scène, je faisais ma scène, je saluais, je revenais, je me réveillais dans le taxi, puis je venais finir au Bucquéry. La folie. Ben, il fallait être jeune, puis vouloir, tu sais. Oui, mais ça continue d'être jeune, parce que tu continues d'être tellement Est-ce que le petit-fils garde jeune? Ben, bon, parce que je sais que tu le vois souvent. Oui, je le vois souvent, oui, moins, parce que bon, il est rendu à 21 ans, mais je le vois quand même. Mais là, je commence à être fatiguée un petit peu. Ah, oui. J'avoue que là, je commence à avoir du millage. Quand on prend 40 ans, c'est ce qui arrive. Bien sûr, Denis Filiato, mesdames et messieurs. Alors, c'est tout le théâtre du Rideau Vert. En mai, on laisse le site. À partir du 12 mai, il y a la Marie-Ève Beaulieu, Pierre Gendron, Paul Cagelet, Émilie Bégin, Chantal Oufinet, Gabriel Tabouret. Oui. Une belle émission. Ne manquez pas ça, et on invite les hommes à y aller aussi. Ben oui, bonne idée, mais ça, il y a des belles filles qui dansent. En plus, bon, on va y aller. Mais là, on a chante, là, qui va chanter. Ben, après la pause, on aura Émilie Grenier. Oui. Mais pour aller à la pause, un extrait de Encore et encore d'Audrey Gagnon. Je l'ai vu dans leurs yeux d'envie folle. De faire du mal, te blesser. Je les ai. -5 degrés, ça va donner ça, et ça, ça va donner ça. Okay. Ah. Tata. C'est quand même pas trop difficile, hein. Si vous n'avez pas de thermomètre, il faut compter 13 minutes pour cuire le sucre. Ah oui? 13 minutes. D'accord, donc ça donne un sucre cuit à 13 minutes. Un chronomètre. Et il faut que la pâtisserie, c'est pas comme la cuisine. C'est pas une question de cuisine, c'est une question de chimie. Donc il faut être précis. Okay. Mais comme c'est bon, mais c'est bon, il faut tout se payer. Hein. Moi, je me souviens d'une fille qui était magnifique. Ça a pris 4 ans pour pas que je l'aie. Pourquoi je l'ai? Après 4 ans, je me suis dit peut-être qu'elle voulait pas de moi. Des fois, il y a des déductions. Je comprends, madame. Ils nous viennent un peu tard. Oui, je suis mort de geler, déjà. OK. Non, mais c'est parce que ça refroidit le dos. C'est une démonstration. Donc ça, on va le recuire pendant 19 minutes. 19 minutes. Vous vous rappelez, 13 minutes ici. On met la crème, 19 minutes. Et ensuite de ça, on coule ça. C'est précis. Et la recette, elle est sur le site. Vous allez regarder Giovanni Di Superbe. Okay. Et là, vous allez avoir la recette. Parfait. Et ça se mange en combien de minutes? Ça se mange en 3 secondes 8. D'accord? Donc, quand ça a cuit pendant 19 minutes, on va couler ça là-dedans. Oui. On va laisser refroidir ça pendant une heure. Qu'est-ce que tu as mis au fond du bain? Un petit peu d'huile. Un peu d'huile. D'accord? Ok. Ça va donner un caramel mou, en beurre salé. Oh, voilà. Et voilà. Ah oui. Ça, c'est comme. Et là. Si vous voulez vous épiler les jambes, ça marche. Ben,
l'adversaire sera soit les Flyers ou les soit les Rangers de New York, oui, en fonction évidemment des positions au classement. Et au rythme où vont les choses à Philadelphie, il faudra attendre à demain. Il reste 5 minutes à faire à Philadelphie et c'est 4 à 2 pour les Capitals. Supériorité Montréal, on a Strike, dont la passe est interceptée. Autour de Mighty, et c'est Higgins qui remet devant, voilà Markov maintenant. La passe à Kovalev. Kovalev remet vers Koivu, mais il était un peu en retrait. Et le dégagement de Mighty sera repris par Markov. Markov vers Strike, il a levé les yeux, reprend la rondelle. Et remet à Markov. Tire de loin, la rondelle glisse le long de la rampe. Et voilà Ferenc qui est rejoint par Kovalev. Un dégagement des Blues. Et là, attention, Sturm s'amène. Markov l'a aperçu du coin de l'œil et reprend la rondelle. Markov qui rejette à l'autre bout. Et on va permettre au jeu de se poursuivre. Weidman remet vers Sturm. Et là, c'est Brisebois qui reprend avec une minute à la pénalité, 2 minutes 35 à la période. Andrei Markov, en territoire adverse, remet derrière à Kostitsyn. Son tir, Thomas donne le retour, Sobotka est là, mais Kostitsyn remet à Markov. À Andrei Kostitsyn. Kostitsyn revient sur ses pas. Toujours avec la rondelle, la passe à Markov et à Andrei Kostitsyn. Kostitsyn vers son frère, c'est dévié devant le filet. Sergei qui fait dos à Chara, la rondelle bondit jusqu'à Brisebois à la ligne bleue. Tire de Brisebois, c'est dévié, le but!
deux équipes qui ne devaient pas être là. Non. Remontons au début d'octobre, Yvon. Tout à fait. On ne prévoyait que l'enfer et la misère noire pour ces deux formations cette saison. Et elles viennent de se livrer vraiment un duel extraordinaire en séries éliminatoires. Et dans ces jeux, pour les séries éliminatoires, Ken Thomas a fait son boulot. Et là, il va rencontrer Carey Price. Voilà deux gardiens qui ont lutté jusqu'à la toute fin. Carey Price égale à lui-même. Eh oui. Dans les grands moments, il parvient à être un joueur. Et les joueurs de très haut niveau. Et les joueurs qui saluent la foule. Et ça va soulever le centre Bell encore davantage. Un jeune homme très calme, comme vous l'avez vu, pas très excité quand même, mais il a disputé tout un match. Et là, il y a Sekou Koivu qui s'en vient avec nous. Sekou, that was a really tough battle, but there's a rookie, a young guy in the net. Tonight he said, no, you are not going to start against us tonight. Yeah, but you know, the Carey played awesome for us, especially in the first period. You know, it wasn't an easy spot for him after the game 5 and 6. The whole team came out strong. We got the first goal. He made the key saves, and then we got the crowd behind us. And tonight, nothing was going to stop us. And that was a team victory, and I guess that reaction at the end was, even if the game was over, it's still great. Yeah, it is. And you know, we have to give all the credit for the fans. The way they've stuck behind us, the support that they're giving us right now. And we just got to make sure that we keep pushing and hopefully a lot of good things will happen. And it's not over. No, it's not over. It's just the beginning. Thank you very much, Sekou. Congratulations. Donc, Sekou Koivu qui a dit, oui, écoutez, Carey Price a vraiment fait le travail. On n'a peut-être pas été tant que ça en première période. C'est une victoire d'équipe. Tout le monde a travaillé fort. La foule ici qui nous a vraiment supportés, nous a encouragés. C'est pas la fin. C'est le début. Là, on s'en va. Mettons en haut sur la passerelle au bon soin de nos amis Pierre-Yves. Oui, merci Luc pour le choix des 3 étoiles. Une présentation de Molson X, fier commanditaire des Canadiens de Montréal. Alors, je pense que vous avez deviné le choix des 3 étoiles. Steve Bégin, absolument et légitimement, se retrouve au tableau. Quel match il a connu en infériorité numérique avec Smolinski et également Kostopoulos, très efficace en échec avant. Alex Kovalev mérite la 2e étoile. On disait que les grands joueurs doivent se relever. Dimension d'aide, et j'ai bien aimé le travail de Kovalev avec Koivu et Christopher Higgins. Et la première, elle est indiscutable. Carey Price, qui a été absolument fumant devant le filet du Canadien en première période, ce qui a permis cette victoire convaincante. La marque finale est donc Canadiens de Montréal 5, Bruins de Boston 0. Vous regardez le hockey Molson X des Canadiens à l'antenne de RDS. Les choses évoluent tellement avec la science, même notre façon de savourer une bière. Voici une avancée technologique rafraîchissante. Signé Heineken. Le fût pression pour la maison. Son système de pression breveté. Il permet à l'humidité contenue dans les murs de sortir. Logiquement.
Et pour vous remercier de votre fidélité depuis 41 ans, Vermeer vous offre cette semaine de magnifiques planches de Comfort à 1,90. Ben, je pense que le regard commence à influencer les habitudes de certaines personnes. Exactement, puis les uns les autres, et on arrive finalement peut-être comme ça à un moment à avoir la possibilité d'intervenir d'une manière beaucoup plus importante. Mm-hmm. Parce que les gens seront prêts plus psychologiquement. Oui. Autrement, c'est impossible. C'est trop tôt. Alors, voilà. Pour savoir comment agir, justement, pour connaître toutes ces activités, jourdelaterre.org, c'est demain le 22 avril. J'en profite pour mentionner le tout dernier ouvrage de Jean Canguérin qui est paru il y a quelques semaines, Le Dieu cosmique. Et on vous écoute tous les dimanches soirs, bien sûr, par Quatre chemins à la première chaîne radio de Radio-Canada. Merci beaucoup, Jacques Languérin. Merci d'être venu nous visiter. En mon nom et au nom d'Einstein. Merci beaucoup. On fait une pause tout de suite après. Deux habitués du Romano Fafard et de l'espace, Claude Legault et Didier Lucien, nous rendent visite. Restez là. Quelle fascinante histoire! À 1,17 aujourd'hui. À Louisville, la rivière du Loup est sortie de son lit en fin de semaine. Une centaine de maisons et de chalets sont touchés. À Maskinongé, 68 résidences sont isolées par les eaux. Et dans la Naudière, près de Saint-Jean-de-Matin, une vingtaine de maisons sont touchées par des inondations. Ces résidences sont situées près de la rivière Noire, un endroit qui est régulièrement affecté par la crue des eaux. De retour à Denis Lévesque. Avec moi, M. Rofan Normandin, qui a subi trois greffes du foie et qui, à cause de tout ça, a eu un parcours médical assez spectaculaire. Vous allez le voir au cours des prochaines minutes. Donc, vous avez des problèmes au rein à cause de cette première greffe un peu ratée. Là, c'est-à-dire, c'est les effets de l'anthrobé, que j'appelais mon Hawaiian Punch. Là, okay. Alors, parce que ça marche plus, là, vos reins, ça fonctionne plus. Non, là ça, peut-être à 6%, là, mais... je sais qu'il faut que j'attende une greffe de rein, alors il faut que je sois éligible, pour que je suis en train de passer. Voir les deux frères qu'assister notre travail extrêmement fort, ça fait que ça aide tout le monde. Et là, ta cravate doit prendre la valeur sur eBay, c'est 3-0. Là. Allez, 3-0, on va continuer à marcher encore. Merci beaucoup, Guy. Félicitations au nom de l'équipe de Réal. Alors, on s'en va rejoindre Alain maintenant avec Benoît et Jacques. Merci beaucoup à Luc Gélina. Alors, le Canadien qui élimine donc les Bruins de Boston en 7. Il y a peut-être eu deux matchs de trop dans cette série, là. Mm-hmm. Mais l'important, c'est que le Canadien accède au deuxième tour. Et on se demandait, Jacques, comment Carey Price allait réagir. Il venait d'accorder 10 buts en deux matchs aux Bruins de Boston. Le meilleur moyen, c'est de blanchir l'adversaire. Quand tu gagnes la série, il n'y en a pas eu un trop pour M. Gillette, je peux t'assurer de ça. Dans le cas de Carey Price, il y a bien des gens, parce qu'il est jeune, on ne le connaît pas. Prenez Sylvie Lacroix à la Ligue nationale. Mais quel style, rapide, malgré sa grosseur, Benoît. 6 pieds 4, 225 livres, 220 livres. Il est très rapide, très mobile. Mais l'important pour Carey Price, pour l'équipe, comment va-t-il rebondir? Il a quand même donné 10 buts dans les deux derniers matchs. C'était pas toute sa faute, mais on voit ce soir qu'il était prêt, puis il était vraiment vigilant, surtout en première période. Bon, il y a des joueurs qui sont illustrés en attaque. Les Kotitsine, André a 3 points, son frère Sergei en a 2. Kovalev, Koivu, 2 passes. Mais il faut parler de Steve Bégin qui a connu un match extraordinaire. Absolument. Tous les joueurs qui ont parlé, ils ont un rôle offensif, mais je pense que Steve Bégin connaît son rôle. C'est un gars qui va tuer des pénalités, qui va jouer sur un quatrième trio, un troisième trio, qui va donner des mises en échec. C'est exactement ce qu'il a fait ce soir. Il a joué avec le couteau entre les dents. Il savait ce qu'il avait à faire. Il a tout donné, bloqué des tirs. Alors, chapeau, 7 mises en échec, 37 dans cette série. Et c'est un gars qui, sans parler de talent limité, et il sait qu'il n'y a pas les aptitudes de Kovalev. Alors, il utilise ce qu'il y a dans son On l'a vu se sortir d'échappé en première période. Oui, c'est ça, mais il a maximisé ce soir ce qu'il avait comme talent sur la glace. Il ne peut pas t'en donner plus que ça. Il était excellent. Et des fois, il y a des risques de blessures. Il y a une saison difficile cette saison à cause de ses blessures. Il revient dans la série. Grosse performance de Bégin. Benoît, pour ajouter ce que tu dis, il a bloqué des tirs. C'est toujours un risque. Exact. Ben, merci beaucoup, messieurs. On va se retrouver en deuxième ronde. On ne sait pas encore contre qui, les Flyers ou les Rangers. Restez avec nous autres. On va avoir du fun. Restez, exactement. Alors, le Canadien qui l'emporte ce soir 5-0 sur les Bruins et enlève les honneurs de la série en cette rencontre. Bon robot? Oui, mais j'ai encore quelques bugs. On va t'en faire un bug. Bon. Donc, j'aurais besoin d'un ordinateur portatif vraiment puissant. C'est celui-là. Il y a un nouveau processeur à double cœur beaucoup plus rapide que la génération d'avant. T'as de l'aide, un bug.
Je suis vraiment désolé. Ah, c'est correct. Ça vient avec 2 gigs de RAM. J'ai pas de bug. Pour faire marcher toutes vos applications en même temps. Parfait, je vais prendre ça. Je vous le mets dans une boîte? L'ordinateur? Banking. Ça marche contre les Blues. Mais dans ce temps-là, il y a les Blues. La meilleure façon d'assurer tout ce que vous possédez, c'est de consulter un courtier d'assurance. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'était la 30e série de victoires entre le Canadien et les Blues. Le Canadien, 24 victoires, les Blues en ont 6. Mm. Et la victoire de ce soir dans ce 7e match-là, par jeu blanc, de la façon dont Carey Price a dominé, me rappelle José Théodore en 2004, quand le Canadien était 1-3 et revenu en blanchi Boston dans le 7e match à Boston. Avec le bâton de exactement, l'arrêt derrière. Et également ce que Ken Dryden avait fait en 71, lorsque le Canadien a gagné en 7 matchs contre les Blues. Mais dans ce temps-là, les Blues étaient nettement favoris sur l'emporter. C'est une équipe qui avait compté presque 400 buts en saison. Ils n'ont pas de compteur du gardien. Alors, monsieur Carey Price, donc, l'étoile du match du côté du Canadien de Montréal. On va l'écouter. Oui, Carey Price. Yeah, I think we all played well tonight, you know, it's just the way we would have wanted to write it. I think everybody knew what had to be done and everybody did their job well. This is satisfying, especially satisfying after giving up 10 goals to come up with a shutout in the victory tonight? Yeah, well, you know, it was a rough couple of games and, you know, we knew it just wasn't going our way and it was going to turn around eventually and tonight it did. The coach talked a lot about character on his team. Well, I think it shows a lot of the character. You know, there's no quit in this room. There's no surrender, and you know, everybody wants to play to win. And even when things get down, you can't get too hard on yourself. And you got to bounce back. Did you know early on? Bon, ben, on vient d'entendre Carey Price. Il demeure très calme. Il a pas besoin d'être Italien, lui. Il a pas besoin d'être Italien, lui. Non. Oh, Seigneur, c'est grand. Il est calme, maudit. Il donne le crédit à ses coéquipiers qui étaient devant lui. Il a pris le Cristobal était comme ça. Ouais. Et, soit dit en passant, je suis tellement content que les Capitals de Washington aient forcé un 7e match à Washington. Ils vont probablement gagner. Et ils perdaient 2-0 dans le match. Ils ont tenté de bousculer UR encore de toutes les façons. Et Washington a quand même gagné 4-2. Bon, je veux revenir sur le match de ce soir. Oui. Là. Est-ce que la performance du Canadien vous a convaincu ce soir? Bien, dans les 40 dernières minutes de jeu, oui. Dans les 40 dernières minutes de première période, non. Ouais. J'en parlais avec Bertrand Raymond après la première période de Charles Perron. Il disait, hey, sincèrement, là, ça pourrait être 2-1 ben oui. ou 2-0 Boston, parce que le but du Canadien était chanceux. C'est Carey Price qui a fait la différence. Et par la suite, le Canadien a commencé à patiner en deuxième période. Après mais en troisième période, il y a eu 3 pénalités consécutives aux Canadiens. OK, les Blues auraient pu revenir dans le match. Mm. Mais y a-t-il quelqu'un qui est capable de dire, il a bien joué ce soir, là, à Sergei Kostin d'être discipliné? C'est véritablement après le but de Mark Streit. On a senti que le Canadien semblait soudainement la pression. Il y en avait un peu moins sur les épaules. Et on retrouvait les anciens Canadiens. Un peu. C'est ça. C'est une équipe qui n'a pas de compteur. Tout le long de la saison, ils ont perdu énormément de parties par un but Boston. Ils n'ont pas de compteur. Puis quand même qu'on nous arriverait ce soir pour dire que Murray a été blessé à la fin de la première ou au début de la deuxième période. Il a été pourri dans cette série-là, le numéro 27. L'autre, il est capable de suivre. L'autre facteur, Claude, j'aurais aimé voir l'issue, parce que ça s'est perdu pour Boston dans le deuxième match à Montréal. C'était la partie clé. Quand Kovalev a marqué. Et n'oubliez pas que Boston a joué sans Kessel. Ouais, mais sans Kessel, il a été puni. Parce qu'il avait raté l'autobus, il a raté les séances d'entraînement. Mais il a puni son équipe aussi. Mais il y a une chose, là. Faut pas oublier que les Blues de Boston finissent seulement 10 points en arrière du Canadien. 10. Pas 30, là. 10. Alors, 10, c'est
C'est 5 parties. C'est 5 parties, puis ça arrive 2-3 victoires canadiens, puis que Boston arrache 2-3 victoires canadiens, puis c'est fini, c'est le même résultat. Laissez-moi vous dire que c'est une équipe qui est bien équilibrée, c'est une équipe qui a beaucoup d'avenir, c'est une équipe qui se doit de trouver un bon marqueur et un autre gars en défense, et gardien de but, mais là, on dit que Fernandez, mais Fernandez, c'est pas le sauveur, Thomas a très bien fait. Bon, il y en a un ce soir qui a joué un bon match pour le Canadien, c'est Steve Bégin. Oh oui. 7 mises en échec, 2 lancers bloqués. On va d'ailleurs écouter les commentaires de Steve, on vient immédiatement. Ils sont encore capables de parler. On patinait, puis tout le monde en soir a embarqué là, dans le plan de match, puis on a mis dans le fond, on est allé chercher, on a vu Kobe, Sako, les frères Costin, surtout qu'elle mettait dans le fond, était premier sa rondelle, puis quand on fait ça, là, tu vois les autres, la troisième, quatrième ligne, quand tu vois tes deux premières lignes faire ça, là, t'as pas bien le choix de suivre, puis c'est pour ça qu'à ce soir, il n'y avait pas de passage. En même temps, en première, ça a été peut-être un petit peu plus difficile pour vous autres, mais toi, tu as imposé assez rapidement le rythme avec de bonnes mises en place. Ouais, c'est une 5 en première, c'est pas pire, je suis en forme. Mais écoute, c'est notre game, puis j'avais des chances de frapper, là. C'est pas parce que je courais après ça plus qu'un autre, là. C'est les hits étaient là, je le prenais, puis... c'est facile notre ligne, on se complète bien, on patine, puis je sais quand il va la mettre dans le fond, je sais quand la rondelle va aller dans le fond, Karim dans le tour de la bande, alors je pars tout de suite, puis écoute, c'est on se lie un l'autre, puis ça va bien ensemble, là, je pense qu'on a des bons matchs là, dans ce temps-ci. Qu'est-ce qui est important dans les prochains mois? Premièrement, on va se reposer, là, demain c'est une grosse journée de repos, puis après ça, pour tout ça, se concentrer sur les prochains adversaires, là. Je sais pas ça avec qui encore, mais... Il faut se préparer, puis faut se préparer d'une autre façon, là, comme on l'a fait à soir, puis il n'y a pas personne d'autre. Là, c'est, peu importe qui on va affronter, c'est jouer notre game, puis imposer le tempo là, dès le début de la prochaine série. Voilà pour les commentaires de Steve. Toujours intéressant d'ailleurs, les commentaires de Bégin. Avez-vous déjà vu autant d'engouement pour le Canadien de Montréal? J'espère que des petits clins qui sortent, là, qui vont se comporter comme de véritables... personne sensée, là. Non, mais il y a tellement d'engouement, là. Moi, ça fait combien de temps que l'autre suis là, OK? Bah, au-dessus de 50 ans, mais c'est pas ça. C'est la jeunesse aujourd'hui. C'est pas. C'était pas. On n'avait pas ça des années 60. Non, bon, là, ça, c'est un autre débat, M. Poirier, là, par exemple. Paul, tu veux réagir sur les propos de Bégin? Compléter sur Bégin. Tard, en troisième période, il était rendu à 40 mises en échec dans cette série-là. Alors qu'on a toujours vu les Bruins appliquer la mise en échec. Ils se sont défoncés, les Bruins. On oublie justement cette statistique-là. C'est s'il y en a un, c'est défoncé pour le Canadien, c'est Bégin. Et les autres également... Commissarek, ce soir, a disputé un match. Commissarek, en première période en particulier. Ouais. Il aurait pu mériter une étoile. Lapierre aussi a donné quelques bons... Lapierre, il faut rendre hommage à Kostopoulos également. Smolinski. Et Smolinski, même s'il avançait aussi vite sur son échappée que Terry Harper. Mais c'est ça qui n'était pas normal à un certain moment. C'est que le trio de Bégin, Kostopoulos et Smolinski était un des meilleurs du Canadien dans le match. C'est pas certainement le premier trio qui a été le plus extraordinaire. Non. Hein? M'excuse, là, j'ai rien contre Kovalev et compagnie. C'était un bon match ce soir. Oui, ouais. Mais c'est pas eux autres qui ont mené la série. Ça a pris ses parties pour les battre. Écoute, quand on parle de Steve Bégin, là, c'est le gars qui était blessé plus souvent contrairement depuis le début de cette saison, encore une fois. Ce soir, on l'a vu, là, à trois occasions, se jeter par terre devant des lancers. Des mises en échec sévères qu'il a appliquées. A pas eu peur de se jeter à terre devant des tirs de Chara. Et là, quand t'es sur le banc, puis tu regardes ça, tu dis, ben, je vois le verre. T'as pas le choix. T'embarques dans le moule, puis si tu suis pas, moi, tu manges une moule, tu te tapes sa gueule. Parce qu'en première période, il y a des gars qui ont pas joué. Ils ont eu de la difficulté, le trio de la pierre en première période. Mais en deuxième, en troisième, ils ont très bien fait. Mais en première, tu n'as pas le rythme. Des fois, tu regardes ça, tu dis, hey, Paul, pas le choix. Il y a eu des moments de panique dans la zone du Canadien qu'on pourrait regarder individuellement. Ouais. Dont Patrice Brisebois, qui l'a mis à deux reprises sur la palette d'un Bruins devant le filet. Mais au-delà de tout ça, c'est quand même inespéré ce que Brisebois a donné dans ce match. Ce match en 13 jours, j'aimerais pas faire ça, fait combien de temps, lui? Exactement. Et même, je dirais qu'un qu'on oublie tout le temps, qui joue avec une confiance, comme si c'était un vétéran de 15 saisons, qui se porte en attaque et tout, c'est Josh Georges. Georges n'a pas été mauvais non plus. Non, exactement. Et il y en a un qui a apporté une énergie nouvelle dans cette série. C'est Sako Koivu. Qui jouait avec, sur un nouveau trio. Bon, on l'avait glissé un mot, t'en souviens que l'autre de ce que va voir était là. Bon, ben, on va disputer encore une fois deux solides matchs d'affilée. On va l'écouter, le capitaine. Up and down, there's a lot of hits. It was a physical period, and we felt that in the second and third, maybe they didn't have the legs that they had in the first period, and we were able to
get the puck more in their zone, cycle the puck, and it kind of tired them out. And then, you know, finally it paid off, and we got the goals that we needed. Tell me how sweet this moment is for you and your teammates. You know, obviously we didn't want it to go all the way to the seventh game. You know, we were up 2-0, 3-1, and everybody thought it's going to be an easy series. But to come back and win in front of a crowd like we had tonight, it's a special one. These are the games that you know, players dream about to be a part of it and to be able to win. But at the same time, you know, it was the first round and it was a long way. If we want to do something special, it's got a long way to go here. And hopefully we learn from these games that it's not going to be easy, and you just have to battle till the end. What's home ice advantage, really home ice advantage for you in this series? What turned out to be game seven? I think tonight was, there's no doubt about that. You know, I think the crowd was really a factor after the second, third goal. And when you have that atmosphere behind you, it really pushes you to work harder, and it seems that you're not going to get tired out there. Alors voilà le capitaine de Courrouillou qui a dit, entre autres, j'espère qu'on va apprendre de cette série-là. Mais que Claude Poirier connaît son équipe. Claude avait dit, après la première période, May Bruins commençait à manquer d'énergie, ouais. Et il l'a dit à Courrouillou. Il commençait à l'énergie, ouais. Il faut être honnête, là, tant mieux, ils ont gagné. Ils ne peuvent pas jouer la prochaine série, la même chose qu'ils ont joué contre Boston, puis ça ne pourra pas durer longtemps, parce qu'avec une équipe comme Ranger, s'ils rencontrent Ranger, ils vont s'apercevoir qu'il y a des compteurs que Boston n'avait pas. Paul, l'équipe qui a le mieux dominé le Canadien cette année, outre Boston, Rangers. C'est Rangers. Donc, le Canadien doit retourner à l'oratoire demain et espérer que Philadelphie élimine Washington pour se prendre contre Philadelphie. Ce ne sera pas facile non plus parce que Brière est en feu avec les Flyers. La dernière fois que les Rangers sont venus ici, ils menaient 5-0. Les Canadiens avaient remporté une victoire de 6-5. Mais c'est vrai que les Rangers de New York ont le numéro du Canadien. Ils ont un excellent gardien de but. Excellent. Ils sont non seulement ça, ils sont assez gros. Oui. Et tant qu'à l'oratoire, on pourrait peut-être aussi demander au Dieu Tout-Puissant quelque chose pour relancer aussi l'attaque à 5 du Canadien de Montréal. Là, on a marqué un but ce soir, mais tu avais des statistiques aussi, Paul. Finale, 3-32. Ça, c'est on peut dire que les Bruins, ce soir également, ça a été leur talon d'Achille. Parce qu'ils ont eu 3 pénalités de suite. Une à Kovalev en fin de deuxième période. Et 2 pour commencer la troisième. Bouillon est à 6. Eh oui. Et là, je me suis dit, si Boston pouvait en marquer un, en début de troisième, c'est ça l'équipe. Le problème de Boston, ils en ont marqué 10 pareil en 2 matchs. Ils n'ont pas de compteur. Mais quand même, c'est une victoire pour le Canadien de Montréal ce soir, mais on sent que Ranger a un jeu de puissance. Je sais pas ce que Claude Julien a dit à Guy Carbonneau lorsqu'ils se sont donné la main. Sans doute, félicitations. Non, il a dit d'autres choses. Après, félicitations, c'est vous. Félicitations. Congratulations. That's it. Je pense qu'il a dit d'autres choses. On va le savoir. On va le savoir. Beaucoup, messieurs, beaucoup, Guy Carbonneau a apporté des changements ce soir à sa formation. Avez-vous été surpris de ça, de voir d'abord Higgins, Koivu et Kovalev ensemble? Moi, personnellement, j'ai été surpris de ça. C'est ce qu'on voulait faire, c'est de pouvoir démarquer Kovalev. Il donnait un peu plus d'espace de travail. Ce que j'ai aimé en début de match, un petit jeu qui a retenu mon attention, Kovalev et Koivu ont fait une très belle pièce de jeu. Thomas a fait l'arrêt. Et ils se sont fait comme une espèce de comme c'est on va rendre ça. Surtout entre les deux. En Kovalev et Koivu. Et là, je me suis dit, mais ma force, on avait l'impression d'être à la lutte quand les deux se... C'est rare au hockey, c'est ça que je veux dire. Ouais, non, mais c'est vrai, effectivement. Ce qui avait inquiétant aussi en première période, c'est que le Canadien semblait toujours reculer défensivement. Dès que les Blues arrivaient en c'est les Blues de Boston avec le Richard Cavan à 2 hommes. Puis les joueurs, les défenseurs du Canadien avaient toujours le nez dans la baie vitrée, comme c'était le cas lors des 2 derniers matchs. Et je pense que c'est une... Le Canadien a marqué le premier but, mais en deuxième période, le Canadien a retrouvé ses jambes et les Bruins semblaient en perte d'énergie, comme vous l'avez dit. Et je pense que le Canadien a, par la suite, travaillé sur sa rapidité. Les Bruins étaient plus capables de suivre la parade, c'est tout. Mais c'était une excellente série dans l'ensemble. Et là, maintenant que les Bruins sont éliminés, la question que tout le monde se pose, pour qui va prendre Claude Poirier? Changelier. Moi, je vais rester avec Boston. Je prendrais peut-être non, ma propre... Non, mais je pas des vous voulez mon opinion? Oui. Moi, je l'ai dit depuis le début. Est-ce que tu te rallies au Canadien? Non, Rangers. Depuis le début, là, c'est pas une question de se rallier. La meilleure équipe dans l'Est, là, selon moi, c'est les Rangers de New York. Ils n'ont pas pu figurer trop durant la saison, mais ils ont toute une équipe. Et dans l'Ouest, moi, je pense que les North Stars peuvent aller assez loin. Ou Calgary. Les Stars. Ou Calgary. Mais Calgary doit gagner demain contre les Sharks. Merci, messieurs. Donc, à notre première période de ce débat des grands chefs. Oui, tout à fait. Oui. Alors, ce segment Coupe Stanley 2008, une présentation de TELUS. Le futur est simple. Alors...
bière, conduisent pas, descendent là, puis s'il n'y avait pas eu de policiers sur le coin des rues, je le sais, mais j'ai fait avec Sainte-Catherine, m'en revenir. Ah, mais quand ça se fait de façon correcte, pourquoi pas, là? Exactement. Alors, messieurs, Guy Carbonneau est prêt à parler. On va l'écouter, tiens. Son point de presse, oui. Et on revient immédiatement avec vos commentaires. Just wondering, are you now going to wear the tie everywhere you go whenever you leave the house? Nope. No, but I'll wear it again, though. Just in the right time. I got more. Talk about the inspiration for that. Obviously, having Saku back really helped. I mean, we talked about his leadership and his experience, but gave me the chance to have, not that Higgins didn't do a good job. I thought he played really well, but Saku being in his, you know, position and knowing everything gave me a chance to put two lines together that I knew that Claude wanted to put Chara against Kovalev most of the time, and having Saku there just gave me a chance to kind of, you know, take him away once in a while away from Chara, and then when Chara was there, still put a guy like Thomas with the consistency that were good offensively and take advantage of those guys. Je dirais pas que j'étais pas nerveux, mais je me sentais bien aujourd'hui. Je veux dire, comme j'ai dit, si tu m'aurais parlé ou si on avait été dans cette situation-là au mois d'octobre, je t'aurais peut-être parlé autrement parce que on savait vraiment pas qu'est-ce qu'on avait dans les mains. Je veux dire, on avait quand même connu une bonne saison l'année d'avant, on avait eu des hauts, des bas. Mais cette saison, je veux dire, à chaque fois qu'on a eu un challenge, à chaque fois qu'on a perdu un match ou deux matchs, les joueurs ont toujours été capables de revenir. On se pensait à terre, on se pensait, tout le monde nous mettait, non, ils vont perdre ce match-là. On a toujours été capables de jouer notre meilleur match pour revenir, pour jamais perdre trois matchs de filet. C'est sûr, certain que tu as toujours des doutes. Parce que tu poses la question, est-ce que tu as pris les bonnes décisions, est-ce que tu mets le bon joueur là, est-ce que, tu sais, on avait quand même 4-5 joueurs là, qui sont dans les estrades, qui attendent pour jouer aussi, mais il n'y avait rien dans ma tête qui me disait, je ne peux pas avoir confiance à ce joueur-là, parce qu'ils ont toujours été capables de répondre. What did your team learn about itself during the series? That this is the playoffs, and you can't take any days off and games off, or thinking that it's going to be easy. That we just need to show up and we can win. You know, those are the process that you have to go through to be a really good team. You can, being a good team is one thing. Being a better team and a team to get to a great team is really hard. You have to learn those little things. And I thought, you know, we really started the series the right way, the same way we finished the season, the same way we played. And then Claude did a great job. You know, you have to give him credit. You know, he changed a few things here and there. Sure, that talked to his players and tried to believe in themselves, and they did. And they pushed us to the limit. But tonight, I thought we really played well. We responded. We wanted to play a tough game, a game that we were on the puck all the time, which we did all year, and take advantage of our speed. And I thought, you know, after the first period, it was, you know, those two penalties in the first period kind of changed everything. But after that, we played with confidence. Ça changera jamais. Je veux dire, dans n'importe quel sport, faut que tes bons joueurs soient tes bons joueurs. C'est beaucoup de pression sur eux autres. On comprend tout ça. La même chose avec Carey, tout le monde. Je veux dire, on voulait ce soir que jouer à la limite de nos possibilités. C'est ce qu'on a demandé aux joueurs. On voulait, dans un septième match comme ça, tu sais jamais comment est-ce que les joueurs vont réagir ou les gens vont réagir. Mais si tu étais capable de mettre
la meilleure effort sur la patinoire, que ce soit 60 minutes ou 80 minutes ou 90 minutes, tu regardes en haut, normalement tu gagnes. Si tu es capable de faire ça. Si tu perds, mais là tu dis, écoute, on a travaillé extrêmement fort, on a perdu, on tourne la page, c'est fini. Alors, il nous a dit que ce n'était pas la dernière fois qu'on allait revoir cette fameuse cravate. C'est certain qu'il allait la reporter. A vanté le travail de Sakou Koivu, a vanté le travail de Claude Julien et a expliqué que les bons joueurs devaient être ses meilleurs joueurs. Mais la pression, c'est ça. C'est eux autres qui sont le mieux payés. C'est eux autres qui sont supposés performer. Markov ordinaire, là, il est très bien payé. Là. Kovalev a connu une bonne prestation. Ce soir, Carey Price va devenir millionnaire. Ce ne sera pas tellement long. Mais effectivement, lors des deux derniers matchs, les meilleurs joueurs des Blues de Boston étaient meilleurs, avaient été supérieurs aux meilleurs joueurs du Canadien. Et ce soir, les meilleurs joueurs du Canadien, bien, ont Nous été meilleurs que les meilleurs joueurs des Bruins de Boston. C'est eux qui sont payés. Ou c'était pas plutôt le plan de match des Bruins de Boston qui, au cours des derniers matchs, semblait meilleur que le plan de match du Canadien de Montréal? La façon dont jouaient les Bruins. Carbon l'a dit ce matin dans les journaux. Puis il l'a dit hier aussi. Ils avaient augmenté leur intensité d'un cran, puis on n'était pas capable de le faire. Ouais. Mais il vient de le redire aussi, là, que Claude Julien a su s'adapter tout au long de la série. Non seulement ça, tout le monde pense que Boston s'est réveillé tard dans la série, au milieu de la série. Non. Ce que Claude a dit, il a parfaitement raison. Boston s'est réveillé dans le deuxième match. Le Canadien a cru qu'après une victoire de 4 à 1 lors du premier match, ça allait être 1, 2, 3, 4, 9, 3, 4. À cause de la saison, les 8 parties en ligne. Exactement. Ouais. Boston s'est retroussé les manches, Claude Julien s'est adapté. Et au fond, si Kovalev ne marque pas, c'est Boston qui marque. Et là, Boston enlève l'avantage de la patinoire au Canadien et s'en va à Boston avec un score de 1-1 dans la série. Et ça s'est joué là. C'est pas compliqué. Mais là, vous m'avez dit tantôt que les Bruins, ce soir, ont manqué d'essence dans le réservoir. Le Canadien a profité de cette chose-là. Guy Carbonneau, comme entraîneur, à l'aube de la deuxième ronde, que ce soit contre les Flyers ou encore contre les Rangers, est-ce qu'il a quelques... Ben, je dirais plusieurs points d'interrogation. C'est officiel. Ouais. C'est officiel. Le Canadien ne peut pas jouer la même série s'il rencontre Rangers. Parce que les Rangers ont des compteurs qui sont rapides puis patinent. Par contre, s'il rencontre les Flyers... C'est ceux qui vont prier pour qu'ils rentrent à rencontrer les Flyers. Parce que les Flyers, devant le net, là, ça va bousculer. Hein? Alors, et c'est là qu'intervient, selon moi, la grande question de Carbonneau et de Bob Gainey aussi, qui a toujours refusé de dire on va céder à la tentation d'aller chercher un gros gars. On n'a pas besoin. Je vais t'expliquer pourquoi, Paul. Même si c'est contre D'abord, ça ne se bat pas dans les séries. Non, il y a eu combien de batailles dans les séries? Tu n'as que commissariat actuellement pour pouvoir contrôler le trafic. Qu'est-ce que les Red Wings de Détroit ont, Paul, de plus que nous autres au niveau grosseur? Ben là, pour l'instant, là, je ne pas grand-chose. Non, mais on peut pas juger. Les Stars de Dallas, Paul, ont éliminé les Ducks d'Anaheim, l'équipe que tout le monde craignait le plus parce que c'est une grosse équipe. Tout le monde disait, écoute, il y a des équipes qui ont été chercher des toughs dans le Wild du Minnesota pour compétitionner les Ducks d'Anaheim. Mais écoute bien, les Stars n'en ont pas eu besoin. C'est pas une grosse équipe, les Stars de Dallas. Stéphane Robidon disait, on est sur une équipe... Tu vas me dire, on va donner plus de place à Auburn, pareil, si on joue... Ça, c'est sûr. Parce que Patrice, ce soir, a commencé un petit peu à tirer Puis Francis, qu'est-ce que tu veux te dire? Il est limité par sa taille. Ouais, je ne veux pas demander à Francis Bouillon. On ne peut pas enlever rien à Brisebois, mais Brisebois a bien performé dans cette série-là. Oui, mais ça va être un Quand ça va être Flyers ou ça va être Rangers... Pas tout à fait la même équipe, parce que ça patine et ils ont des compteurs. On a dit que le Canadien avait besoin de se grossir un petit peu défensivement. Ça, c'est évident. Et parce qu'ils vont l'avoir le nez dans la baie vitrée. Comprends-tu? Mais là, on ne sait pas ce qu'ils vont rencontrer. Souvenons-nous des propos de Bob Gainey. On est plus fort à 3h30 qu'on l'était à 3h, quand les changements ont eu lieu. Souvenez-vous de ça. Et moi, je suis d'accord avec toi, Alain, que tu n'as pas besoin d'un bagarreur. Ceux qui réclamaient Georges Larac à Montréal, ça donne absolument rien. Comprends-tu? Dans l'Est, non. C'est simplement qu'au niveau des défenseurs capables de faire le grossir, travail et permettre à Carey Price de faire son travail en toute tranquillité, on a commissaire, puis Auburn en termes de poids. Moi, mais regarde les équipes qui ont affronté là. Rapidement, 5 secondes. Les Flyers de Philadelphie ont bousculé Christophe Alloué, OK? Puis les Rangers ont bousculé Martin Brodeur. Fait que si la Ligue impose des règlements précis, on aurait pu ce maudit problème-là. Pas besoin de garder le mépris. La portion débat est maintenant terminée. Oui. On se laisse sur les propos de l'entraîneur-chef Claude Julien. Je peux te dire honnêtement que il n'y a jamais eu un moment où on ne croyait pas qu'on était capable, même à 3-1. Lorsque les gens ont vu, là, c'était des matchs serrés. On a eu des chances de gagner ces matchs-là, même à 3-1. C'est qu'on n'a jamais cessé de croire. C'est la raison qu'on s'est rendu au
septième match parce qu'on a continué à croire, on a fait ce qu'il fallait faire pour se rendre au septième match. On n'a jamais abandonné. C'est une des clés. Puis je pense que l'éthique de travail était évidente à tout le monde. C'est que c'est deux grandes qualités de notre équipe. On n'a jamais abandonné. Puis l'éthique de travail était incroyable. Après la pause, place à la dernière portion de notre débat suivant l'élimination des Bruins ce soir, victoire du Canadien. Et plus tard dans le bulletin, nous irons rejoindre Renaud Lavoie et Luc Gélina avec les échos de vestiaire. Salut Tom! Maintenant. On se retrouve demain. Bonne soirée à l'antenne Verdi. Mardi. C'est au mal intentionné. Hillary Clinton et Barack Obama tentent de saisir. C'était peut-être un peu à prévoir, le vu les circonstances ce soir. Toutefois, ce ne serait pas un méfait majeur. Mm-hmm. Alors, bien évidemment, vous savez, Esther, on en a parlé plus tôt, les policiers sont excessivement présents aux abords du Centre Bell. Et bien évidemment, c'est lorsque ça déborde, c'est plus loin. Là, il y a peut-être un peu moins de policiers et certaines personnes plutôt mal intentionnées ont peut-être cherché à en profiter là, à cet égard-là. Oui, là, c'est ce qu'on voit un peu plus tôt en face du Centre Bell. On voit la foule, c'est vraiment dispersée. Ça semble beaucoup plus tranquille de votre côté. Oui, allez-y, Jean-François. Oui, ce que je voulais vous dire, Esther, c'est que plusieurs policiers qui sont derrière nous mm-hmm. et leur tâche principale pour l'instant, c'est de prendre, de confisquer des boissons alcoolisées aux gens et de les répandre sur le sol parce que visiblement, certaines personnes ont peut-être un peu abusé, là, malgré le fait qu'on soit devant le centre, l'ancien centre de la Bonne Bière. Il y en a peut-être qui n'ont pas fait la transition avec Belle et qui, ma foi, Esther, se sont peut-être laissés aller à quelques débordements excessifs. Mais pour l'instant, on ne rapporterait qu'une seule arrestation qui est quand même pas si mal. Merci beaucoup, Jean-François. Plaisir, Esther. Bonsoir. Au revoir. À l'instar des sociétés de transport de Québec, Longueuil et de Laval, la SCM modernise son système de perception. Depuis le temps qu'on en parle, en fait, la fameuse carte à puce a été lancée aujourd'hui. La nouvelle technologie va remplacer graduellement l'actuelle carte magnétique. Élisabeth Rancourt. La ministre des Transports, Julie Boulet, a elle-même mis à l'épreuve ce matin le nouveau système de carte à puce dans les transports en commun. Après 6 ans de travail et 169 millions de dollars d'investissement à la SCM, la carte Opus fait son arrivée. Une arrivée qui se fera progressivement. La carte Opus va commencer à être déployée à partir de la fin du mois d'avril et sur une période de 18 mois par secteur en partant de l'est vers l'ouest pour éviter ce qu'on appelle le Big Bang. L'ancienne carte magnétique, la carte CAM, utilisée depuis 27 ans, cohabitera avec le nouveau système de carte à puce avant de disparaître complètement en juin 2009. La carte Opus coûte 7 $ mais sera vendue 3 $50 pendant les 18 premiers mois d'implantation. Ce système automatisé comporte de nombreux avantages. Parmi ces avantages, je mentionnerai l'amélioration des activités d'achat et d'utilisation des titres de transport pour les usagers, l'amélioration du contrôle des recettes et de l'achalandage pour les sociétés de transport, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle des organismes et enfin, un meilleur contrôle de la validité des titres des usagers. Le premier avantage pour les usagers est qu'ils pourront par eux-mêmes acheter et ajouter des titres à leur carte à puce. Ces nouvelles distributrices permettent de payer en argent comptant avec une carte de crédit ou une carte de débit. On peut aussi se procurer la carte dans un des 700 points de vente au Québec. Une fois les titres achetés, une lisière de 6 billets ou une carte mensuelle, par exemple, on n'a qu'à présenter la carte devant le lecteur optique et le tour est joué. Avec ce système plus performant, les possibilités de tarification sont plus nombreuses. Mais pour l'instant, la SCM ne compte pas changer sa politique tarifaire. La SCM estime pouvoir diminuer de 50 % la fraude, évaluée à 20 millions de dollars par année. Élisabeth Rancourt, TQS, Montréal.
On en sait un peu plus sur la mort d'un détenu la semaine dernière à la prison de Trois-Rivières. Le prisonnier a été retrouvé sans vie dans le cadre. Boy, il y a 20-30 buts cette année. Combien? 40. 40 buts. On s'en parlait pendant la pause. Claude est venu nous voir en nous disant que personne ne s'attendait à ce que le Canadien de Montréal batte les Bruins de Boston. En fait, que ça aille jusqu'en 7 matchs. Tu as raison. Le Canadien a donc eu cette petite frayeur-là. Est-ce que ça peut peut-être aussi les aider en vue de la prochaine série? On ne connaît pas encore les prochains adversaires, mais là, ils ont peut-être réalisé qu'ils étaient vulnérables. C'est le temps de se regrouper et de se préparer, peu importe qui sera le prochain adversaire. Est-ce que ça peut, d'une certaine façon, donc, leur servir, ce qui leur est arrivé en première ronde, Paul? Moi, ce que je pense, c'est que si demain soir, Philadelphie bat Washington, Philadelphie se présente jeudi soir, Philadelphie l'a arraché là, dans sa série contre Washington aussi. Alors, le Canadien ne devrait pas avoir de complexe en débutant sa série, deux matchs à domicile, jeudi et samedi contre Philadelphie. Contre Rangers, une autre affaire, parce qu'une équipe reposée, en pleine confiance, en pleine possession de ses moyens. Jaguar connaît une grosse série. Ah, mais écoute, bien, à part de ça, là, ils ont Gomez, ils ont Drury, ils ont Shanahan. C'est une très bonne équipe. Il reste 45 secondes rapidement. Je veux savoir quel serait votre joueur par excellence chez le Canadien dans cette série? Carey Price. Il n'y en a pas d'autre. Il y a deux blanchissages. Carey Price. Match. Puis là-dessus, deux fois, il a comme d'un but. Et quel joueur vous a le plus déçu chez moi, personnellement? Marc Anthony de Sassé. Ouais. Oui, mais moi, je soupçonne encore. On dit qu'il est peut-être blessé. Peut-être. Moi, personnellement, je l'ai vu depuis le début de la série. Celui qui s'est réveillé un peu trop tard, c'est Plekanec. Parce que Plekanec, au milieu de la saison, était absolument en feu. Oui. Tout ce qui touchait Plekanec, il réussissait. Et ça lui a pris seulement les deux derniers matchs pour commencer à s'apercevoir qu'il était là. Je pensais ça croire qu'un joueur vedette, c'est Markov. Markov en a pas donné pour la moitié du talent qu'il a. Quand ça chauffe, il n'est pas là. C'est aussi simple que ça. Merci bien, messieurs. C'est Paul, un plaisir. Est-ce que vous allez les réinviter, mes amis? Claude, on aimerait ça, mais tatouer Brown, c'est terminé. Je peux pas croire que je suis en train de pousser. Non, mais là, tu t'es commis pour les Rangers, là. Mais tu es en train de me pousser. Oui, non, parce que je te vois. Bon, Alain, tu reviens quand tu veux. Paul, tu reviens quand tu veux. On s'en reparle, Paul. Moi, j'en viens pour les Blackhawks. On s'en fout. On s'en fout. Hein? Regarde-moi pas de main. Je t'en avais laissé une. Max est fier de vous avoir livré ce débat. Renaud Lavoie était dans le vestiaire des gagnants. Luc Gélina lui avait la tâche d'aller dans celui des perdants. Nous les retrouverons après la pause avec les échos de vestiaire. Restez là. Petit clin d'œil, d'abord la photo d'une petite fan du Canadien avec le plus gros fan du Canadien de Montréal. Une photo envoyée par Mireille Pelletier. Et puis, de quoi donner des ailes aux Canadiens hein, pour ce qui va suivre, ce qui s'en vient. Une très jolie cabane, très voyante aux couleurs du tricolore. Une photo de Gilles Morisseau. Alors, merci pour vos photos. On attend les vôtres en lien avec l'actualité ou le hockey. Vous avez l'adresse au bas de l'écran. Les automobilistes le savent, en faire le plein, ça fait de plus en plus mal. Mais il y a des villes qui résistent un peu mieux à la flambée du prix de l'essence. Saint-Jérôme, entre autres, risque de faire bien des jaloux. Lynn Saint-Laurent. Bienvenue à Saint-Jérôme, là où les automobilistes vivent heureux et font même l'envie de Montréalais, comme celui-ci. Vous avez payé combien? 46 $. Et à Montréal, ça aurait été combien? 8 $ de plus. Ça vaut la peine de magasiner et oui, d'aller plus loin. Nous sommes chez Costco, qui vend son essence 1,17 $, et c'est le même prix chez la plupart des autres bannières. Mais ces grands détaillants vendent à perte. Le carburant vendu aujourd'hui leur a coûté 1,26 $ le litre. Ils assument donc une perte de près de 9 cents le litre. Pourquoi? La concurrence ici est féroce, au point où les petits détaillants croulent sous la pression des bas prix. Non, on n'est pas capable de suivre ça, puis depuis 3 ans, le même problème qu'on a. Saint-Jérôme est un marché dysfonctionnel, mais Jivan Gopal ne le savait pas quand il a acheté ce poste d'essence. Il est forcé de vendre son carburant 1,25 $ le litre, mais il n'en vend presque pas. Il n'y a pas de clients. Si on suit, j'y perds beaucoup d'argent. Okay. Si je ne suis pas, ça ne vend pas d'essence, puis je ne brise pas mon tête avec. Aujourd'hui, le carburant, ça le rend malade. Il n'en veut plus. Il va démolir et construire un grand dépanneur. Maintenant, on va démolir dans un mois. En quittant Saint-Jérôme, les prix changent. De façon générale, plus on approche Montréal, plus c'est cher. Blainville, 1,26 $. Rosemère, 1,32 $. Finalement, Montréal, entre 1,30 $ et 1,32 $.
Selon les experts, il n'y a pas de mystère. Plusieurs facteurs expliquent les disparités régionales, entre autres les coûts d'exploitation qui peuvent varier et la concurrence, surtout quand les grands détaillants jouent du coude. Lynn Saint-Laurent, TVA, Montréal. Une bonne nouvelle pour certains des 9000 investisseurs cloués dans le scandale Norbourg. Aujourd'hui, Georges, ils vont recevoir bientôt un deuxième chèque. Sophie, c'est Ernst & Young qui a émis des chèques pour 39 millions aujourd'hui. 32 millions avaient déjà été remboursés. Mais attention, ça fait suite au jugement de la Cour suprême qui avait maintenu en février le principe de la distribution fonds par fonds. Ce que ça signifie, c'est que ceux qui avaient investi dans les fonds les moins pillés recevront plus d'argent que ceux moins chanceux qui avaient misé sur les fonds Évolution et Norbourg qui, eux, ont été presque vidés. Mais pendant ce temps, au recours collectif intenté par l'avocat Jacques Larochelle au nom des investisseurs, la poursuite s'est opposée à une demande de l'Autorité des marchés financiers qui veut interroger le père de Vincent Lacroix et plusieurs membres de la famille qualifiant la requête de « perte de temps ». La cote de crédit du gouvernement fédéral reste excellente. Triple A met la maison de cotation DBRS met Ottawa en garde contre un environnement économique plus difficile qui pourrait faire passer les finances du fédéral dans le rouge si notre économie est frappée plus durement que prévu par le ralentissement américain. On craint donc un retour au déficit. Enfin, les taux d'intérêt devraient baisser. Demain, au Canada, les économistes prévoient une autre baisse de 50 points de base à 3 % La Banque du Canada parlera à 9 heures. On s'en reparlera demain soir, Sophie. Oui, merci. Je vous en prie. Encore une fois, je me répète. Mais... Et les Bruins perdent le match. Est-ce que Ron Fournier a perdu la voix? Il sera avec nous au retour. Ne manquez pas les commentaires et analyses de nos experts sur un match décisif canadien-Boston de ce soir. Vivez toute la fièvre des séries. Demain, dans le Journal de Montréal, votre quotidien. Dans la vie comme en assurance, tout commence par la confiance. Ça des élastiques, puis ça brasse, ça reste. The same mistake over again in the seventh game, so. You know, it was a good experience. I mean, we could have finished them early, but, you know, never a bad thing to go seven games. Bon, 21 273 spectateurs, ben ça, c'est le nombre de sièges au Centre Bell. Parfois, on a l'impression qu'ils sont deux, trois fois plus. Encore une fois, la foule a été extraordinaire ce soir. Et il y a eu, Yannick, vraiment un moment fort que, malheureusement, les téléspectateurs n'ont pu voir parce que c'était dans une pause publicitaire, mais en deuxième période, quand le Canadien a pris l'avance 2-0 à la prochaine publicité, pause publicitaire. Oui, Pierre-Houd l'a dit, ben, exactement. C'était incroyable. 21 273 spectateurs se sont mis à chanter « Olé, olé, olé ». Et je peux vous dire qu'il y avait plusieurs gens, et on en a vu des événements sportifs, mais c'est difficile de ne pas avoir de frissons en ce moment. Hey, crazy. You know, that was my first home game in these playoffs, and I can't remember when the crowd has been that loud than they were tonight. So it's really fun to be a part of this team and play in front of those crowd fans. And you know, I was just afraid that we're gonna get too emotional and they're gonna come back and score a goal. But we were able to kind of keep the focus and get the third one, which was a huge goal for us. On l'a senti, moi je l'ai senti derrière le banc. Je pense que c'est arrivé à quelques occasions après ça, par exemple, vers la fin de la deuxième période, par la troisième période. Je pense que les gens vraiment ont été un support extraordinaire. Encore une fois, je me répète, mais c'est la raison pour laquelle tu travailles. Il faut qu'il y ait une raison pour laquelle tu travailles pendant 82 matchs. Sans ça, ça n'a aucun rapport. C'est d'avoir la chance de jouer un septième match à la maison avec tes fans. Dans ta chambre, chez vous. Puis ce soir, on l'a prouvé. En terminant, Yannick, je dois vous avouer que j'avais des doutes pour le match de ce soir. Ouais. Mais quand on regarde la façon dont les frères Kostitsyn ont joué, Alex Kovalev et bref, le reste de la formation, on peut dire que les doutes se sont dissipés assez rapidement. Renaud, est-ce que vous pouvez nous chanter un petit bout de la chanson que les gens chantaient ce vous soir? Vous l'avez chanté tantôt pendant le visuel. Olé, 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 olé. Merci. Voilà. Merci, Renaud. Au revoir. Salut. LNH, en bref, une présentation de Broil King. Des barbecues formidables. Ah,
cette fois, on va aller rejoindre Luc Gélinas, à qui je ne demanderai pas de chanter. Merci beaucoup. Okay. Merci, c'est bon pour les codes d'écoute, ça. Oui, effectivement. Bonne initiative. Bon, Luc, tu es allé faire un tour dans le vestiaire des Bruins de Boston. Ils ont perdu, mais peuvent quand même quitter Montréal la tête haute parce qu'ils ont livré un fort match. Oui, parce que c'est une équipe là, qui avait perdu 8 parties de suite contre le Canadien en saison régulière. L'équipe qui était négligée par tous les experts. C'est une équipe qui tirait l'arrière 3-1 et c'est une équipe qui n'a pas abandonné. Donc, évidemment, les joueurs sont venus prêts de causer ce revirement. Surtout que du côté des Bruins, en première période, on a mieux joué que le Canadien. Carey Price a fait les arrêts clés au bon moment. Donc, évidemment, il y a beaucoup de déceptions, mais en même temps, c'est qu'on a quand même accompli de belles choses dans les circonstances et que ça augure bien pour cette jeune équipe. Pour moi, ce qu'on se passe plus déçu du résultat, c'est normal parce qu'on est, dans le moment, si tu veux, là. Puis, mais ça n'empêche pas que je sais ce que les joueurs ont accompli, ce qu'ils ont fait pour nous toute la saison. Puis, ça ne m'empêche pas d'être fier d'eux, là, mais au moment où on se parle, déçu. Déçu parce que, comme je disais, on avait des attentes beaucoup plus élevées que tout le monde avait de nous. Puis, dans notre tête, on voulait absolument accéder à la prochaine ronde. Donc, les joueurs des Bruins ont tout donné ce soir, particulièrement lors de la première période. Par contre, on peut vous dire que Zdeno Chara, il y avait des rumeurs qui circulaient à la suite des propos d'Harrisenden qui avait dit qu'il était blessé aux côtes. Claude Julien a nié complètement. Il a ajouté, nous ne sommes pas des menteurs. D'ailleurs, on vous l'aurait dit. Ah, ça n'était pas vrai. C'était pas vrai. Il était top shape. Okay. Il était en parfaite santé. Peut-être quelques petits bleus ici et là. Mm-hmm. Quand même, il était plus déçu que blessé, finalement, Chara. C'était une saison où on a accompli beaucoup de choses. Là, puis, seulement le fait que, peu importe l'issue du match de ce soir, les entraîneurs ont vraiment fiers de la façon que les joueurs se sont comportés et puis ont travaillé et performé toute la saison. Puis je lui ai dit que j'ai réalisé que tout ce que je disais ce soir là, peut peut-être pas vouloir dire beaucoup au moment où on se parle parce qu'il y a une déception, mais que dans quelques jours, puis ils vont réaliser qu'ils ont accompli de très bonnes choses. We gave it everything we had. That's what we've been doing the whole year. Last couple games, we had some phenomenal efforts, you know, tonight. The will was there, but it didn't work out that way. It was a really close series. Even the first game, when we lost 4-1, if you take away those first two goals in the first 5 minutes of the game would be 2-1. And since that game, and obviously tonight, it was really, really close. Donc, c'est une jeune équipe, ça augure bien pour l'an prochain, on a beaucoup appris, et ça va peut-être aider les Bruins aussi à augmenter leur cote de popularité du côté de Boston, parce que là-bas, on n'en a que pour les Patriots, les Red Sox et les Celtics. Merci bien, Luc. Bonne fin de soirée. Olé, 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 olé. Salut, Luc. Bye-bye. Oh là 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 là. Après la pause, Gilles Moffett vient analyser le travail de Carey Price lors de ce septième match. Et nous aurons les faits saillants du sixième match opposant les Flyers au Capitole. Plus taxes sur tous nos articles sans exception. Toutes les taxes sont payées. Exactement. Là, la police de Montréal est en train de se déployer tranquillement dans les rues du centre-ville parce qu'il y a énormément de gens. On n'avait pas prévu, je pense, du côté des policiers que la foule allait rester stagnante comme ça au milieu des intersections. Et on n'avait peut-être pas envisagé autant de monde en partance, par exemple, de la rue Crescent ou encore de la rue Peel qui se dirigerait vers le centre-ville, vers le Centre Bell. Alors, les casques blancs que vous voyez dans le bas, ce sont des membres de l'anti-émeute. Et pendant ce temps-là, c'est quand même assez particulier comme stratégie, mais on laisse les rues ouvertes. Alors, les automobilistes essaient de circuler tant bien que mal, mais regardez le monde ici. Là, on essaie de faire une manœuvre de dispersion vers l'ouest. Ça, c'est sur Sainte-Catherine, coin... c'est pas très, très loin de Stanley's actuellement. Ce sont des manœuvres de contrôle de foule, là, Maxime, essentiellement. Il n'y a pas d'incident particulier au centre-ville, là?
On a rapporté quelques petits incidents dans le coin de Stanley et Sainte-Catherine, mais pas de gros grabuges généralisés. Le problème, vraiment, c'est la paralysie du centre-ville. Et bien sûr, on craint à un certain moment donné que tout ça ne s'enflamme. Vous comprendrez pourquoi les esprits se sont échauffés. Il y a apparemment une personne qui a été tabassée là, par un groupe d'individus, possiblement là, une bagarre entre partisans. Et là, vous voyez, là, c'est complètement immobile comme foule. Le centre-ville, ça, c'est la rue Sainte-Catherine, mais je pourrais tourner vers René Lévesque et vous allez voir que c'est pas beaucoup mieux. Là, c'est complètement paralysé. Tout ce qui est de l'ouest vers l'est, là, oubliez ça, regardez. Là, on s'en va juste à côté ici, là, et vous allez voir que c'est encore plein de monde encore sur René Lévesque. Les policiers qui sont là, qui ferment les intersections, les gens chantent, les gens déambulent. On va continuer de suivre ça, bien sûr, du haut des airs pour vous au cours des prochaines minutes. Merci beaucoup, Maxime. Si vous passez par là, eh bien, prenez votre mal en patience ou allez prendre un petit verre. Merci, Maxime. Très bien. Eh bien, le règne de la traditionnelle carte mensuelle tire à sa fin. Bientôt, tous les usagers du transport en commun à Montréal, Laval et Québec vont utiliser une carte à puce qui devrait donner du fil à retordre aux fraudeurs. Harold Gagnon. Voici l'arme que les principales sociétés de transport ont trouvée pour lutter contre la fraude, la carte à puce. Vous n'avez qu'à la passer devant un lecteur optique et le tour est joué. Chaque année, la Société de transport de Montréal enregistre 368 millions de déplacements dans le métro et les autobus. Les fausses cartes abondent. Il est devenu extrêmement difficile pour les 90 inspecteurs du métro d'arrêter les fraudeurs. La fraude actuellement à la STM, on le sait, c'est d'environ 20 millions de dollars par année. Avec la carte à puce, il évalue que les fraudes pourraient être réduites de moitié. Dès la fin du mois d'avril, la carte à puce va commencer à être utilisée par 1000 passagers dans le secteur d'Anjou. Progressivement, jusqu'à l'été de 2009, le système sera étendu dans l'ouest de l'île, ainsi qu'à Laval, Longueuil et Québec, où elle est déjà à l'essai. On évalue qu'à la fin de 2009, au moins 1 million de personnes vont utiliser cette fameuse carte à puce au Québec. La carte va coûter 7 $. Les passagers pourront s'en procurer une en utilisant les distributrices installées dans les stations et dans 700 points de vente. Sa durée de vie pourrait atteindre 7 ans. Tout ce que vous aurez à faire chaque mois, c'est ensuite de la faire valider en payant votre droit de passage. Des passagers demeurent sceptiques. Sauf que je ne sais pas la différence entre l'utilisation d'une carte à puce et une carte comme ça. Je ne sais pas en quoi ça va diminuer les fraudes au tourniquet. Actuellement, les inspecteurs doivent prendre des fraudeurs sur le fait. Dorénavant, vous pourrez être intercepté partout dans le réseau. S'il se fait contrôler par un inspecteur et qu'il n'a pas sa preuve de paiement, il est possible de recevoir une contravention. On va être capable de suivre exactement où ça s'est passé et on va avoir des inspecteurs, au moins une centaine d'employés, qui vont interférer strictement à ça. Autre nouveauté, en 2009, il n'y aura plus de lisière de billets ni de correspondance. De nouvelles cartes magnétiques faciles à utiliser vont remplacer ces titres. On nous assure que le système, déjà implanté dans certaines villes américaines et européennes, ne fera pas augmenter les tarifs. Harold Gagné, TVA, Montréal. Alcoa et Bell vous invitent à voir à la salle J. Antonio Thompson, l'humoriste Jean-Marc Parent, Stéphane Rousseau. Centre du Québec également. Beaucoup de mouvements de foule. Là. On essaie de disperser ces gens-là du côté du SPVM. Pas facile. Ouais. On continue de suivre ça à l'antenne de LCN. Absolument. Malheureusement, il y a des gens qui ne savent pas célébrer intelligemment. Alors, la suite de notre couverture sur LCN et nous, on se retrouve demain. Merci d'avoir été là. Bonsoir, l'actrice qu'on a le plus vue au petit écran au cours de la dernière décennie, Chantal Fontaine, quitte l'émission dans l'amertume. Elle se dit désolée de la façon dont elle a été traitée lors de son départ de La Quotidienne. Pourtant, c'est elle qui avait demandé la disparition de son personnage à l'auteur Fabienne Larouche, qui, elle, est attristée de l'attitude de la comédienne. Mais de plus en plus de violence à l'école, ça touche le primaire, le secondaire et même la maternelle. Le pire, c'est que ce ne sont pas seulement les jeunes qui sont violents, mais les parents le sont également envers les professeurs et les directeurs d'école.
On les a captés. Ça se passe en Virginie. OK, on me dit, puis notre pro nous le dira dans un instant, que c'est des choses qui arrivent assez fréquemment, mais rarement captées par une caméra de la façon dont on les a captées. Deux avions qui ont été frappés par la foudre à quelques minutes d'intervalle. Regardez ça. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est rare. Au décollage, premier appareil foudroyé tout juste après son décollage. Le second a été atteint alors qu'il s'apprêtait à atterrir. L'avion a été détourné vers un autre aéroport. On dit que personne n'était blessé, voyez-vous? Avouez que c'est impressionnant comme image. On vous les a retournés au ralenti. Ça fait un nuage, à un moment donné, d'électricité ou de... En tout cas, cette puissance-là, pas de blessés là-dedans. Est-ce que les avions sont protégés? Est-ce que ça aurait pu être pire? Est-ce qu'il aurait pu avoir des blessés? L'avion aurait-il pu s'écraser? Il s'appelle Pierre Decelle. Il est chef instructeur au Centre de formation aéronautique. On le rejoint à Saguenay. Salut, M. Decelle. Bonjour, M. Paradis. Je suis plus impressionné que vous à voir ces images-là. Oui, effectivement, c'est des images qui, ça demeure toujours impressionnant de voir de tels phénomènes parce que, comme vous avez mentionné d'emblée au départ, ça arrive fréquemment qu'on est confronté à ce genre de situation-là, cependant, rarement capté par des caméras. Ce que vous me dites, M. Decelle, c'est que ce qu'on va voir, regardez bien, Mme, monsieur, ça va, oui. Elle vient d'être repris, ça arrive plus souvent qu'on le pense, ce phénomène-là. Selon les études, en tout cas au niveau du Canada, pour le Bureau de sécurité dans les transports, on se doit de reporter ces événements-là. Et c'est des événements qui se produisent à peu près, on pourrait dire, une fois tous les 1000 heures de vol là, pour un appareil. Ben voyons donc, vous. Oui. C'est sûr que quand on voit ça comme ça, c'est assez impressionnant dû à l'éclair, parce que l'éclair en tant que tel produit beaucoup de rayonnement, mais en tant que tel, c'est pas un gros faisceau. Aidez-moi à comprendre. Un avion, c'est comme un paratonnerre, ça attire-tu la foudre? En fait, il faudrait comparer, jusqu'à un certain point, ça peut attirer la foudre, je m'explique. C'est que lorsque l'avion se déplace dans l'air, naturellement, étant donné que l'air circule autour des surfaces, on pourrait comparer ça un peu, tout le monde a fait ça à la maison avec ses enfants, frotter un ballon, après ça, l'appuyer oui. sur un mur. Alors, ce qui arrive, c'est que l'appareil se charge. En fait, positivement dans l'air d'électricité statique. Et du fait que les revêtements, normalement, des appareils sont en métal, on pourrait dire que jusqu'à un certain point, ça attire la foudre. Cependant, si vous regardez des images comme il faut, vous verrez, vous voyez bien que la foudre pénètre devant de l'avion et en ressort à la queue, à l'arrière de l'avion. C'est toujours le même principe? Ça frappera toujours à l'avant au départ? Principalement, parce que l'avion agit comme une cage de Faraday. En fait, c'est que tant et aussi longtemps que l'appareil circule dans l'air, elle n'est pas en contact avec le sol directement. Alors, l'électricité qui frappe l'avion va simplement se distribuer à l'ensemble de la surface et va ressortir à un point vers l'arrière où normalement on place là, des choses spéciales, pour ça qu'on appelle des static wicks, en fait, qui sont des espèces de petites antennes pour permettre à l'électricité de s'échapper. Ah ben là, bon, c'est plein d'appareils électroniques, un appareil aujourd'hui, oui. hein, c'est plein de trucs informatiques. Effectivement. Cette puissance-là, cette décharge...